Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce Twitch de la garde de nuit, ce manuscrit des Maîtres Aemon, le podcast slash salon de lecture de la garde, l'association de référence française sur le trône de fer et George Martin. Je suis accompagnée de John ce soir Salut! et de Yoda. Coucou à toutes et tous! Avant de vous parler, comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude de ce du livre de ce soir, de notre lecture commune, on va vous parler des prochaines lectures. On aura le 26 octobre, pardon, Sigma, comment vous le dites? Simka. Simca, merci, Dorian 5K, je sais pas Velten, comment on le dit en vrai, ouais. mais Qui non. est, qui est une nouveauté qui sort tout début octobre. Donc on aura l'occasion d'en parler. Ça vous laisse moins d'un petit mois pour le lire et nous rejoindre le 26 octobre. Et surtout, le prochain aura normalement lieu le 17 octobre avec Yoda, Nympha et moi-même. C'est la première loi d'Abercrombie et Yoda va nous en dire un peu plus. Oui, alors assez rapidement parce que je viens juste de Je t'ai découvrir pris au Dorian Velten. piège. C'est ça. C'est donc la première loi, c'est un livre de Joe Abercrombie et ce premier tome, ça s'appelle Premier Sang et c'est donc une introduction à son univers dans lequel il y a pas mal de personnages qui se croisent avec des guerres, des complots, des manipulations, des choses comme ça, très fantasy. Voilà. On a un peu choisi ce livre parce qu'il était dans la liste des livres les plus connus, des livres fantasy, fantastique, SF, et qu'on l'avait pas lu. Et c'est dit, c'est une bonne occasion pour le lire. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. J'avoue que je sais pas du tout quoi en attendre. Ça sera la surprise. C'est pareil pour moi. Voilà. On verra bien. Et puis, on n'a pas lu que Le Porteur de Lumière dont on va vous parler ce soir. On a lu d'autres livres ce mois-ci. Et John, du coup, quelle est ta reco de ce mois? Ouais, alors moi j'ai hésité ce mois-ci parce que j'ai lu plein de trucs bien. Et j'ai décidé que ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand même Utopia de Camille Le Boulanger. Donc c'est un énorme pavé, là on voit pas avec la couverture, mais il est vraiment super super gros. Camille Le Boulanger, c'est un auteur français dont moi j'ai lu plusieurs livres déjà. Il y en a que j'avais bien aimé, il y en a que j'avais moins aimé. C'est en général assez engagé. Et celui-là ne fait pas exception, vu que le principe, c'est de présenter une société alternative un peu idéale. Moi, je m'étais fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps avant de tomber sur ce livre, que je trouvais ça dommage parce que, en fantasy, en général, quand on essaye d'inventer une nouvelle société post-effondrement ou post-apocalypse ou post-ce qu'on veut, régulièrement ça devient une dystopie. Donc, en fait, on va se focaliser sur qu'est-ce qui va faire que la société marche pas, qu'est-ce qui va faire que, en fait, ça dévie en truc autoritariste ou qu'il y a un problème. Et rarement on peut en profiter pour imaginer un truc qui irait bien, qui irait mieux que la société actuelle. Et bah là c'est exactement ça, donc c'est-à-dire qu'on est post la société d'aujourd'hui. Camille Le Boulanger imagine un futur dans lequel la société a évolué, a changé pour, en l'occurrence, tout baser sur surtout l'abolition de la propriété. C'est plus que l'abolition du capitalisme, en fait, lui il appelle ça le propriétarisme, les anciennes sociétés. Et donc là, il part de ça. Donc c'est une société qui est déjà installée. On n'est pas dans comment cette société s'installe, comment faire pour qu'elle soit acceptée, etc. Là, on est juste dans cette société. Donc il y a plein d'aspects qui sont développés autour de ça. On suit l'histoire du personnage principal qui s'appelle Umo, qui est celui qui nous raconte sa vie, en fait. Donc on va pas se leurrer, il n'a pas une vie passionnante, c'est pas plein d'aventures, c'est juste, bah oui, au début il est enfant, il va à l'école, il grandit, ensuite il fait un peu des études, il rencontre des gens, il voyage, il fait des trucs, et ça nous permet à chaque étape en fait de découvrir différents aspects de cette société qui est imaginée par l'auteur et qui est super intéressante, j'ai trouvé. Alors
Je sais pas si ça convaincra des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Je pense que quelqu'un qui se dit non, de toute façon, il n'y a que le capitalisme qui peut marcher, bah là il dira ben non, mais ça peut pas marcher parce que si ça, ça. Mais pour quelqu'un qui est ouvert à l'idée ou qui est intéressé par l'idée, en fait j'ai trouvé ça super intéressant parce que bah, ça reprend des choses un peu basiques comme bah, le partage, la mise en commun des tâches, des biens, etc. Le revenu universel, enfin plein de choses un peu. Voilà. Et ça les met en situation et ça rajoute des petites touches. Il y a certains aspects qui sont même un peu plus poussés, donc ça donne des pistes de réflexion intéressantes aussi. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment super bien, super intéressant, super agréable à lire aussi parce que c'est bien écrit et assez impactant dans le sens où bah depuis, moi c'est déjà des thématiques qui m'intéressent, mais du coup depuis il y a plusieurs fois où je me dis ah mais quand même, quand est-ce qu'on change la société quoi? Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça voilà, une lecture vraiment, vraiment intéressante et bah, que je recommande du coup. Cool. J'avais bien aimé. J'ai oublié le nom de son roman. Malboire. Malboire. Ouais. Pareil sur la réflexion de tout ce qui est. C'est un monde d'après, mais qui est beaucoup plus noir que le tien. Mais avec une réflexion, tu sens un message vraiment écologique dedans. Donc, je suis assez curieuse de Topia. Eh ben n'hésitez pas. Très bien. Et toi, Yoda, du coup, tu nous recommandes quoi? Alors moi, pour le coup, j'ai vraiment pas lu grand-chose le mois dernier. N'empêche que j'ai lu ce petit livre que j'ai trouvé plutôt cool. C'est Parasite de... Alors, je sais pas du tout comment prononcer son nom. Dan Clays. Dan Clays, c'est le pseudo. Quand il est graphiste, d'un bonhomme pour lequel j'avais déjà recommandé un livre l'année dernière, il me semble, c'était Noah Descharles qui a écrit Prisme. Donc il est aussi graphiste et du coup il avait commencé à faire en fait des illustrations pendant le confinement sur l'histoire d'un personnage qui meurt et qui traverse différentes phases dans l'au-delà. C'est assez compliqué en fait à expliquer comme ça. C'est que des illustrations. Donc il n'y a pas vraiment de texte, mais c'est divisé en chapitres quand même parce qu'il évolue dans différents univers. On peut appeler ça des univers. Il rencontre des autres personnages et il a tout un parcours en fait pour aller quelque part. Plus tard de pas trop spoiler. Donc après, il a décidé d'en faire un petit livre pour que ça soit plus facile à vendre. Vraiment. Et il en a profité du coup pour ajouter une introduction, des espèces d'introduction de personnages. Je sais pas si on va le voir comme ça à l'écran. Mais bon, du coup, ça donne des pages comme ça. Et j'ai trouvé ça super chouette en fait. Je sais pas, c'est un très bon moment. Et en fait, j'ai trouvé c'était assez intéressant aussi au niveau des couleurs parce que. Oh, vraiment, je suis vraiment pas sûre qu'on voit bien. En fait, chaque Faudrait que tu univers a lèves des un petit couleurs peu plus. différentes. Voilà, là on est dans le bleu. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette, très intéressant. Ça prend pas beaucoup de temps à lire, hein, du coup. Voilà. Et si vous avez l'occasion, donc bah, j'ai trouvé ça très bien. Tout comme j'avais beaucoup, beaucoup aimé son livre que j'avais lu l'année dernière aussi, que j'avais recommandé déjà. Ok. Bah écoute, lecture, on va dire, facile quand t'as pas forcément le temps et qui est très bien. Exactement, voilà, c'est très chouette, vraiment, c'est vraiment un style graphique que j'aime beaucoup. Mais ça a l'air beau, les images que tu nous montres. Oui, c'est très joli. Hop. Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Chouette! Je sais pas quand j'aurai le temps de lire tout ça, moi, même le petit roman. Non, non, mais en vrai, même le petit roman là que tu nous as montré, Yoda, je sais pas. Oh, Parce c'est que. vraiment très 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 court. En plus, ça fait peut-être une cinquantaine de pages. Voilà, c'est. Oui, alors dois-je. Enfin, c'était en off, mais j'ai fini la lecture de ce jour à 20h28. On avait rendez-vous ensemble à 20h30.
Donc bon. Bravo, bravo. Parfait, Au c'était moins dans c'est le bon frais. timing. Voilà. Ce qui explique que je n'ai pas de reco pour ce mois-ci. J'avais commencé Le chant d'Achille de Madeline Miller il y a il y a peut-être 2, 3 semaines, un truc comme ça. J'ai dû le rendre et là je vais le récupérer. C'était Malicia qui me l'avait prêté. Donc voilà, je vais lui revoler et je vais terminer ma lecture maintenant que j'ai fini celle du jour. Donc peut-être que je vous le recommanderais, peut-être pas. On verra à la fin. Pour le moment, j'aime beaucoup. Et sinon, pour aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet. Le porte-lumière d'Aileen Thomas, qui est un premier tome d'une saga, The Sunbearer. Est-ce que Yoda, tu... non, Jean, Jean. Je vais pas faire que Yoda. Allez, vas-y. Jean-Jean, c'est toi maintenant. Tu passes au tableau. Vas-y. Alors, le porte-lumière. Donc, effectivement, c'est le premier tome d'une. Ça sera une trilogie, j'imagine. Je Je suis même l'ai pas sûr compris qu'on comme ça. sache. C'est le troisième livre de Hayden Thomas, a priori. Il avait écrit Cemetery Boys, qui était sur des thématiques assez proches, vu qu'on parlait d'univers un peu hispanique. Et de transidentité, qui sont deux thèmes qu'on retrouve beaucoup là. Et donc là, on parle de. Je me suis perdu parce que je me disais que j'allais parler de son autre livre aussi, mais ça n'a aucun rapport, donc c'est pas intéressant, je pense. Donc là, The Sunbearer, on est sur un truc, sur un postulat de base qui est assez classique young adulte, effectivement, parce que on est sur un concept qui fait beaucoup penser à Hunger Games, de il va y avoir une compétition entre 10 jeunes demi-dieux désignés pour affronter des épreuves et pour devenir le porte-lumière. Donc ça, c'est le pitch de base. Après, l'univers est très intéressant parce qu'on est dans un univers d'influence. Mythologie sud-américaine. Donc, on est dans un monde où il y a des dieux d'influence sud-américaine, donc le dieu de la terre, le dieu de l'eau, le dieu des oiseaux, le dieu de tout ce que vous voulez, et leurs enfants qui sont des demi-dieux, qui sont ceux qui vont s'affronter dans les compétitions. Le pitch, globalement, c'est ça. Si, et on suit un personnage principal qui évidemment ne s'attendait pas à être choisi pour participer aux épreuves et qui, ce n'est pas un spoil car vraiment je pense que personne n'a aucun doute sur ça dès le début du livre, va être choisi pour participer aux épreuves. Et on va suivre du coup principalement les épreuves et lui comment il les vit et plein de thématiques assez intéressantes autour de ça, dans un univers assez riche et assez intéressant et très très lumineux, j'ai trouvé, par rapport à un Hunger Games par exemple, où c'est assez sombre quand même en général comme ambiance et où on a ces tribus qui doivent se tuer les uns les autres. Là, on n'est quand même pas dans une compétition dont le but est de se tuer les uns les autres. Alors, il y a quand même des enjeux assez fort, je sais pas si je le dis, mais je vais pas le dire du coup, mais bon, il y a quand même des enjeux importants et forts, à côté de ça, c'est des jeunes qui ont déjà interagi ensemble, donc qui se connaissent, qui sont pas là pour se tuer les uns les autres, et donc il y a un peu plus d'entente entre les participants, il y a un peu plus de légèreté, j'ai trouvé, et de lumière, en quelque sorte, que dans un Hunger Games ou dans pas mal de young adultes un peu plus dark, quoi. Même l'univers en soi est Voilà, et moins donc dark. Schrödi nous dit, et comment est-ce qu'il va faire pour gagner malgré les obstacles qui vont se dresser contre lui? Je ne dévoilerai évidemment pas la fin du tome. Reste avec nous pour la partie spoil, Shreddy. Reste avec nous. Et t'as aimé du coup, Jean-Jean? Oui, j'ai vraiment bien aimé, je trouvais ça vraiment très sympa. Alors, c'est assez marrant parce que en y réfléchissant,
Bon, alors là, on va faire le Twitch. Qu'est-ce que c'est mes points positifs? Qu'est-ce que c'est mes points négatifs? Est-ce que j'ai à moitié perdu la Alors, connexion? Non, c'est on bon. Oh, t'entendait, mais t'es un plus ou peu. moins figé. Là, ça va mieux. C'est de la C'est la censure. cata. Ok, mais si on m'entend, c'est bon. Donc oui, je disais, en faisant le bilan après ma lecture, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup sur pas mal de trucs différents, mais ne vous y fiez pas, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments très positifs aussi, malgré du coup. C'est fou, hein, on ne veut pas t'entendre. Tu Non, as tu des saccades petites en périodes fait. où tu saccades. Là là, c'est la cata. Bah écoutez, c'est la vie parisienne, y a pas de wifi. Hein. Bah alors, il n'y a pas C'est la bien fibre chez connu. vous? C'est l'enfer de vivre dans une ville pauvre et en voie de développement comme ça. C'est triste. Bon, on va voir. En tout cas, on a compris que t'as aimé. Voilà, En j'ai résumé, aimé, t'as aimé. même si j'ai du mal à en dire, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, donc vous fiez pas au fait que je vais probablement râler. C'est bien, tu l'annonces, c'est. Non, mais je peux comprendre que ça reste un livre qui se lit. Moi, j'ai bien aimé aussi. Donc, du coup, je vais m'en mettre aussi mon petit smiley. Voilà, j'ai bien aimé. Ça se lisait très facilement. C'était un monde qui était coloré, c'est facile, mais pas, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça. Je pense que c'est un roman young adulte jeunesse qui est effectivement plus feel good que Hunger Games, qui soulève des points qui sont intéressants comme l'inclusion, enfin, il y a plein de diversité aussi dans ce livre, des questions sur l'orientation sexuelle et tout ce qui est transidentité, effectivement. Le handicap aussi, mine de rien. On a aussi des questions de handicap. Et voilà, enfin, la cohésion, l'amitié, et du coup, même si c'est pas un livre complexe, c'est pas pour autant que je passe pas un bon moment. Ça s'est lu vraiment facilement. Donc voilà, j'aime bien. Et toi, Yoda? Bah moi c'est un petit peu comme vous hein, finalement et tout comme ces Metairie Boys étaient aussi quelque chose d'assez inclusif, d'assez accessible en même temps mais avec des thématiques importantes qui étaient traitées assez fluidement. Là c'est exactement la même chose en fait. On se retrouve sur un livre qui se lit très très facilement mais qui mine de rien fait quand même ses 500 et quelques pages. C'était pas il était lourd dans mon sac quand je l'ai porté mais et je l'ai trouvé très agréable. Et en effet, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on peut le comparer à Hunger Games. Il n'y a vraiment aucun souci pour comparer à Hunger Games. Mais les persos sont quand même très co-fraternels, si on peut dire ça Oui. comme ça, en fait. Vraiment, oui, ils ont étudié ensemble, ils se connaissent. Alors, ils se tirent dans les pattes un petit peu. Mais c'est presque plus par. Parce que, bah, pas pour se taquiner, mais bon, voilà. Comme quand on peut pas supporter quelqu'un au lycée, quoi, en fait, voilà, quoi. Oui. On va, voilà, on va pas essayer de le tuer, pas de suite, en tout cas. Et puis, oui, évidemment, pour toutes ces thématiques sur l'inclusion, des choses comme ça, c'est assez important comme livre. Donc oui, moi j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est pas un coup de cœur absolu, mais vraiment, je l'ai trouvé très très chouette. C'est cool, tant mieux. Moi, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'on soit dans un univers que j'ai pas l'habitude de connaître. Tout ce qui se rapproche niveau fiction de ce que je connais de l'Amérique latine, c'est Coco ou The Tree of Life, The Book of Life en film, hein, c'est tout. Je connais rien d'autre. Donc j'ai bien aimé commencer. Alors on commence ce livre par la création du monde et le panthéon des dieux. C'est pas mal. Alors c'était un peu. Moi, je n'ai pas forcément tout compris, je l'ai relu plusieurs fois. Mais comme je pense qu'on ne comprendrait pas forcément tout de suite du premier coup d'œil la mythologie grecque.
Hein, il y a des relations de partout, des créations de dieux de partout. Mais c'était chouette et c'est, je sais pas vous, j'ai cherché aussi certains mots, notamment il y a des bonbons. Enfin, il y a des bonbons, je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, mais ça existe vraiment? À quoi ça ressemble? J'ai cherché sur Google. Enfin, je trouve ça rigolo, en fait, toutes ces petites touches d'un univers d'une culture que je connais pas du tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était très intéressant et j'ai appris plein de choses sur plein de dieux précolombiens, je suppose. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant sur une culture sur laquelle j'ignorais après tout. Oui, c'est super riche comme univers, donc c'est super agréable aussi du coup de voir les dieux, les villes, tous les endroits. Ça, il arrive, je trouve, à Aiden Thomas à les rendre palpables, en fait, ces villes, à donner envie d'y être. Le style d'écriture, franchement, je le trouve très fluide, je ne sais pas pour vous. Oui, j'ai trouvé Oui. aussi. Et effectivement, dans tout ce qui est description d'endroits, d'ambiance, il y a une ambiance différente en plus dans chaque ville. On voit bien. Alors oui, c'est toujours un peu dans. Bah, c'est la ville d'un dieu de quelque chose. Donc du coup, tu peux de toute façon exploiter le cliché qui est lié à cette divinité-là. Mais ça rend bien, ça fait des ambiances qui marchent bien et qui donnent envie d'en découvrir, d'en voir d'autres. T'as envie d'aller voir encore d'autres villes, de découvrir tous les différents endroits qui sont pratiquement tous des endroits en plus qui donnent envie d'aller en fait. Donc Et ce qui était chouette, alors il n'y a pas, sans spoil, donc les 10 candidats vont aller de ville en ville, d'épreuve en épreuve. Il faut imaginer qu'il y a plus que 10 dieux, il y en a vraiment une multitude. Parmi les villes qui vont accueillir ces jeux, ces épreuves, il n'y a pas forcément que des villes de dieux majeurs. On va avoir des villes de dieux dont les enfants n'ont pas été choisis. Et pour situer, donc il y a les dieux dorés qui sont les top du top, hein, le haut du panier. On a les dieux de jade. Et il y en a, faut pas en parler. Hein, c'est les vilains traîtres, c'est les dieux d'obsidienne. On le sait dès le début, ça. C'est pour ça qu'il y a toutes les épreuves. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir des épreuves qui vont être accueillies partout. C'est pas forcément ceux des. Voilà. Ouais. Et en parlant justement des dieux, des personnages, donc nous on suit Théo, parce que je crois qu'on l'avait pas encore nommé. Non, effectivement, j'ai mal présenté ce Voilà, non, non, livre. mais pas de souci. On suit Théo, qui est le fils de Quetzal, la déesse des oiseaux, qui est donc une déesse jade, et donc lui est un demi-dieu jade. C'est plutôt les dieux dorés, donc enfin les demi-dieux dorés qui sont choisis. D'ailleurs, ils s'entraînent un peu toute leur vie pour ça à un endroit qu'on appelle l'académie. Ils s'entraînent à être des héros aussi, ils s'entraînent pas juste pour Oui, pour les ouais, épreuves. c'est vrai, t'as raison. Pour devenir héros, sauver les personnes des incendies, par exemple. Les incendies. Voilà. Et Théo, je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc Théo est transgenre. C'est pas que, enfin, ça le définit pas. Enfin, il n'est pas défini que par ça. Et justement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que tout ce qui va être transidentité, handicap ou orientation sexuelle, c'est inclus dans l'histoire. C'est pas, on n'en fait pas une tartine en fait. C'est bah oui, il y a une cérémonie de comment? Gender confirmation, ouais, de. Affirmation de genre. C'est ça. Il y a un des héros qui est sourd, et ben on signe. Et, ah bah pourquoi tu signes? Bah parce que un tel, en fait, Daisy, il est Daisy, sourd. ouais. Et c'est bien amené en fait, et tu fais pas un focus dessus. Et le fait que ça soit amené par petites touches comme ça, tous ces éléments,
Bah, je trouve ça hyper intéressant dans peut-être l'ouverture d'esprit de certains lecteurs. Oui, mais j'ai trouvé ça super intéressant. En particulier, du coup, effectivement, là, la transidentité, c'est pas un sujet, et en même temps, c'est pas non plus, je vais pas dire Oui, invisibilisé, mais c'est pas non tout à plus fait. pas un sujet, quoi. C'est-à-dire que, contrairement à, par exemple, dans Cemetery Boys, où c'était clairement un sujet important parce que le personnage devait affirmer ça par rapport à sa famille, il y avait des problèmes, etc. Là, on est dans une société où c'est un non-sujet parce que bah, les dieux, ils peuvent être gays, ils peuvent être bi, ils peuvent être transgenres, ils peuvent être non-binaires. Et donc à partir du moment où les dieux peuvent être tout ça, bah, il n'y a plus de sujet de société, c'est-à-dire que tu peux plus être exclu de ça. Mais malgré... D'ailleurs, pardon, je te coupe. D'ailleurs, tu n'as aussi pas de problème de reproduction pour les dieux. Donc, deux hommes peuvent avoir un enfant ensemble. Oui. Et Donc du coup, il vas-y. n'y a vraiment plus de sujet, quoi. C'est ça. Et malgré tout, c'est quand même pas quelque chose qui est rendu anodin, dans le sens où bah, les personnages qui sont trans, ils se posent la question. On en a un qui est plus jeune que Théo, qui est trans aussi, et qui en parle, qui dit que bah, il s'est posé des questions, que le fait de voir quelqu'un d'autre de trans, ça l'a aidé à comprendre les choses, qu'il n'est pas sûr de tout. On a des sujets. C'est assez marrant, j'ai trouvé, parce que sur tout le début, il y a le sujet du binder. Je sais pas comment c'est dit en Ah, par français, mais rapport à la le. dysphorie de genre? Ouais, et en fait, par rapport. En fait, le binder, c'est le truc qui, en principe, est utilisé pour aplatir la poitrine, en fait, pour pas apparaître avec une poitrine quand il n'y a pas eu d'opération mammaire ou quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai trouvé assez drôle, en fait, dans un espèce de retournement, c'est que sur le début. On nous parle du binder de Théo. Je suis pas en train de spoiler, c'est vraiment ça dure pas longtemps, mais on nous parle du binder de Théo et en fait après on nous dit mais son binder en fait c'est pas pour sa poitrine, ça y a pas de sujet, c'est pour ses ailes. Donc du coup il y a cette espèce de petit jeu sur ça et après effectivement il y a le sujet sur les ailes de Théo qui font que lui il a beau être complètement avoir transitionné, plus avoir de, enfin presque plus avoir de problèmes d'apparence, il a quand même ce sujet qui est venu rajouter via le spectre de ses ailes, qui sont qu'en gros il a pas les ailes du bon genre, qui permet de quand même de parler des sujets. Et je trouvais que c'était amené de façon intelligente en fait, voilà, pour quand même traiter le sujet tout en faisant pas du personnage principal quelqu'un qui est complètement en souffrance et en interrogation par rapport à ça. Oui. Eh ben, j'ai trouvé très intéressant qu'en plus, ce soit vraiment jamais un problème. C'est pas un problème pour Théo. Xio, bon, lui, c'est parce qu'il se pose encore des questions, voilà. Mais par exemple, j'arrive à me souvenir de son nom, je l'ai oublié. Ah, Ocelot, oui. qui pour le coup est non-binaire. Et qui est un personnage plutôt désagréable, en fait, jamais personne ne va s'en servir en fait pour l'attaquer là-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui est très très bien intégré et ça c'est plutôt chouette en fait. Ouais. Ça, en fait, ça permet de parler du sujet de façon hyper positive. Ouais, de garder juste en fait les parties importante, c'est-à-dire bah oui, si t'as 12 ans et que tu te poses des questions, bah c'est normal que tu te poses des questions Normal. et que t'aies pas forcément la réponse tout de suite, mais il y a rien de grave, les gens sont là pour te soutenir quel que soit ce qui se passe dans ta tête et il y a jamais un moment où c'est négatif en fait, c'est juste bah tu t'interroges sur qui t'es, bah oui tu t'interroges sur qui t'es et puis quand tu sauras bah on sera tous contents. Tout en Et si tu ne le sais pas, c'est pas grave. ouais. Voilà. Ouais. Tout en ne mettant pas de côté les difficultés qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas des difficultés à cause de la société. Ça va être, comme tu disais, le harnais en fait pour les ailes de Théo et donc cette dysphorie. Comme ça va être de t'expliquer que, bah oui, Théo, il prend de la testostérone, il se fait des injections, c'est pas un acte neutre et
c'est pas un problème, c'est juste que voilà, Oui. ça existe dans sa vie. Oui. Ou pareil, il y a une scène assez forte où t'as le premier moment où, enfin, le moment où ils parlent de leurs premières règles. Oui. Et où ils expliquent que, bah oui, forcément, quand t'es un homme trans et que t'as tes règles pour la première fois, bah c'est pas agréable comme. Enfin, je pense que avoir ses règles, c'est jamais agréable, mais c'est différemment pas agréable, quoi. C'est pas les mêmes problématiques en fait. Ah, c'est très dysphorique. Ouais. Donc ouais, tout ce traitement-là, je le trouve très chouette. Je pense que rien que pour ça, c'est une très bonne lecture. Oui. Puis effectivement, on comparait aussi, alors c'est sur un autre sujet, mais comme c'est dans le côté. Je trouve qu'en fait que ça va avec le côté positivisme, feel good et tendre vers une meilleure société. Comme tu le disais, il y a des enjeux avec ces épreuves, avec cette compétition. Mais avant tout, c'est une bande de potes, quoi. Alors, pas tous, parce que les Jades côtoient pas les Dorés, mais les Dorés, ils se connaissent, ils s'apprécient, ils sont pas là forcément. C'est de la compétitivité, mais de la compétitivité, ouais, Oui, positive, en fait. Enfin, ouais. y a rien de Bon. malsain. Ouais, je suis d'accord parce qu'on le voit vraiment bien au début qu'en fait pour eux le but c'est que cet entraînement leur ait servi à quelque chose et que ils gagnent pour être fiers d'eux en fait. Pas tant pour vraiment descendre les autres, tout ça, mais vraiment pour que bah, voilà, c'est quand même classe d'avoir gagné quoi. Oui, bah, les alliances, parce qu'il y a des alliances qui se forment, sont pas là pour détruire les autres, mais pour s'en sortir ensemble. Oui. Je trouve que le seul bémol peut-être à toute cette bienveillance que effectivement il n'y a pas de discrimination sur le genre, la sexualité ou quoi que ce soit, il y a quand même une sorte de classisme, je sais pas si on peut dire ça, mais de il y a quand même une sorte de hiérarchie sociale entre les dieux dorés, les dieux de jade et potentiellement les humains normaux. Oui. Et il y a quand même cette espèce de d'échelle sociale qui pour le coup est bien présente et avec et est un sujet quand même avec du coup certains dans les dorés qui sont assez méprisants sur tous ceux qui sont bah, en dessous d'eux avec potentiellement une sorte de jalousie et de compétitivité des jades envers les dorés parce que bah ils se sentent infériorisés pas forcément à raison ou ils peuvent avoir tendance à idéaliser aussi la classe au-dessus. Donc il y a quand même toutes ces questions sociales mais qui sont uniquement des questions de classe et qui vont jamais être des questions de voilà, de genre, de sexualité, de race ou de quoi que ce soit, quoi. Donc pour toi, c'est un bémol à la bienveillance qu'on décrivait, pas au livre. Oui, c'est pas du Ouais. tout un bémol au livre, c'est un bémol à. En fait, c'est qu'en fait, on est en train de dire oui, Oui, c'est pas le monde des tout le bisounours. monde est gentil et tout le monde machin. Et en fait, il y a quand même ces tensions sociales-là qui existent dans l'univers et qui c'est intéressant à traiter aussi. En fait, c'était pas du tout un bémol au livre. Effectivement, c'est vrai que les humains, par exemple, sont vraiment en dehors du tableau, hein. Bah, ça Oui. dépend pour qui. Tu as En le fait, Théo c'est. et les Jades en fait interagissent pas mal avec les humains, là où les Dorés ont l'air. Alors encore une fois, on peut pas généraliser forcément à tous les Dorés, mais ils ont l'air de beaucoup plus se placer comme au-dessus. Oui, mais dans le livre, en fait, à part au début, quand tu es à Quetzal, donc il y a une ville jade où les jades se mélangent avec les humains, et une autre scène dans le livre que j'ai beaucoup aimée, les humains, ils sont juste là pour faire les pom-pom girls. Et visiblement, pour coucher avec des dieux, pour avoir des enfants. Oui, Ça, il faut un roman. aussi. Non, mais ils ont quand même très très peu de rapport finalement avec leurs humains. Enfin, les Jades en ont quand même plus, hein, avec les humains. Mais quand même, jusqu'au moment où. Voilà. Mais
Mais ils ont pas l'air, cela dit. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé marrant, mais c'est peut-être lié effectivement en fait à ce sujet-là. Ils ont pas l'air d'avoir tant d'enfants que ça, les dieux. Non. Alors qu'ils vivent Oh. depuis, on peut imaginer, au moins des centaines d'années. Et en fait, ils ont l'air d'avoir quelques enfants, alors peut-être une dizaine quand même, parce que bah, ça finit par s'accumuler, et puis on les connaît pas tous. Mais je sais pas si c'est juste qu'on les voit pas et qu'on n'en parle pas, ou si c'est que ils en ont pas beaucoup. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti ça. J'ai pas l'impression qu'ils en aient beaucoup, puisqu'on les rencontre quand même tous plutôt au début, là, la cérémonie. Je pense qu'on les rencontre à peu près tous, même les plus âgés, à moins que vraiment, après une fois qu'ils commencent à avoir, je sais pas, 25 ans, ils commencent à vivre leur vie ailleurs et ils reviennent plus du tout voir leurs parents. Je sais pas, j'avais l'impression aussi qu'il n'y en avait pas beaucoup. Après, quand on voit la relation entre certains couples de dieux ensemble ou certains dieux avec leurs enfants, mine de rien, c'est pas des immortels, c'est des demi-dieux. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de ok, ça fait trop mal, je vais peut-être attendre un siècle ou deux avant d'en refaire, hein? Oui, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'on en saura plus aussi dans les prochains. Peut-être que c'est pas le sujet du. Peut-être que la question sera pas abordée. Mais Oui. effectivement, je l'ai ressenti comme ils en font pas beaucoup. Oui. Ouais. Et sans. Parce qu'après, il va falloir qu'on spoil. Mais sans spoil. Est-ce que vous avez un perso préf? Moi j'ai bien aimé Aurelio quand même. Sans Histoire déconner, d'être c'est cliché. pas possible. Bah oui, Sûr. voilà, j'ai bien aimé Aurelio. J'ai trouvé que voilà. Bon, c'est un peu un cliché, je suis d'accord, mais. C'est voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui veulent savoir, Aurelio c'est un peu. Bah. Le brin ténébreux un peu incompris qui est un peu dark mais qui en fait est gentil et que c'est juste que les gens veulent pas lui parler mais enfin bon c'est mais j'ai trouvé qu'il était très attachant. Oui, non, c'est je me moque un peu, mais en effet, ça a quand même l'air d'être plutôt un chouette personnage. Oui. Et mine de rien, pas qui sort du cliché du monde ténébreux, parce qu'il y reste quand même bien, quoi, mais qui finalement est quand même assez creusé pour être plus que juste le monde ténébreux, quoi. Oui. Et qui a l'air Fang, d'être Prigène. vraiment très gentil. Enfin, Oui, il a l'air oui. quand même giga chou, quoi. Il a l'air ultra chou, ouais. C'est juste. T'as presque l'impression que, juste comme il est brin ténébreux, les gens se disent, ah, ça doit être un brin ténébreux. Alors qu'en fait, il est genre juste tout sympa, tout mignon. Enfin, bon. C'est un brin ténébreux doré. Comme tu l'as dit, il y a le En rapport plus, de il est classe doré. aussi, hein, attention. C'est vrai, en plus, ouais. C'est le Golden Boy. Ça, et puis il a une sœur jumelle aussi. Ils Oui, sont voilà. en mode garde du corps l'un pour l'autre, quoi. Hein. C'est des jumeaux. Donc, il est pas très Oui. reprochable. Alors, on a quand Il aime même beaucoup sa sœur, pif-pouf, voilà. pif-pif-pouf, pi... Ah, j'arrive pas à le dire. Bon, PF, qui dit Léo a l'air si heureux quand il parle de lui. Non, mais je savais que tout le monde allait se moquer de moi, c'est pour ça. Mais non, mais non. Mais en même temps, il y en a. En Non. fait, ils sont un peu. Ils s'est identifié, tu penses? Est-ce que tu t'es C'est bon. identifié à Aurelio? Ou est-ce que c'est ton crush absolu en fait? Non, je me suis pas vraiment identifié à Aurelio. Est-ce que c'est mon crush absolu? Je n'y ai pas réfléchi comme ça. Je vais y réfléchir, je vous dirai. D'accord, dis-nous tout. Non, de toute façon, ils sont tous hyper choux, les personnages. Je pense que tu les. T'aurais l'occasion de les côtoyer un petit peu plus que tu t'attacherais à eux. Même Ocelot dont on parlait, qui est pour ultra ultra agréable. Non, il n'est pas super agréable. Voilà. Toi, Yo... d'ailleurs, je devrais dire Yel, puisque c'est Ocelot qui est le personnage non binaire.
Oui, je me suis demandé d'ailleurs comment c'était traduit, parce que moi j'ai lu en anglais, Tu donc l'as lu en c'est anglais? assez facile en anglais, c'est Zaïzem. Ah. C'est super facile de les Ah là personnages là. non binaires en anglais, parce que c'est Zaïzem, et après tous les adjectifs de toute façon sont Bah non oui. genrés. Alors, en C'était français, vraiment cool. c'était Yel. C'était Yel. Et tu avais aussi pour le la, c'était le E et A ensemble. Oui. Pour certains adjectifs, je crois qu'ils mettaient un X à la fin. Genre Ok, grand, oui. c'est un grand avec un X à la fin. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Franchement, ça a été hyper bien fait. Oui, c'est très très fluide, hein. Un Vraiment. peu comme comme dans After. Je l'ai pas Je sais, lu. tu l'as pas Un lu. peu comme. Ah, mais t'as lu C'est mes Terry Boys en anglais aussi? Et Ouais. où. Bah, voilà. Où en fait, c'était des X à la fin. Ok. C'était. Ouais, non, je réfléchis. Non, ça a été. C'était bien fait. C'était des Yel, c'était des L, comme je te disais, avec le A et E, et les X. Ouais. C'est ça que j'ai retenu Ok. principalement. Ok. Et donc vous, vos personnages préférés? Vas-y, Yoda. C'est Xio. Parce que j'aime bien Xio. les. Oui. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Parce qu'il est giga chou aussi. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez mignon, en fait, le personnage, comment il était. Introduit à toute cette affaire dans lequel il est, enfin dans lequel Théo est persuadé que jamais Xio va réussir à faire quelque chose dans cette compétition. Donc pour le remettre un petit peu, Xio c'est vraiment un personnage très jeune et qui est sélectionné un petit peu aussi à la surprise hein, de tous les autres puisque lui aussi c'est un Jade et que les Jades normalement sont quand même plus que très très rarement choisi pour participer à cette compétition. Donc là, on a quand même une compétition dans laquelle il y a deux Jades, c'est beaucoup. Et Xio, qui en plus est un personnage qui n'a pas de pouvoir, puisque tous les autres ont chacun des pouvoirs. Et avec un livre qui est complètement écrit du point de vue de Théo, en fait, c'est vraiment assez mignon de le voir prendre sous son aile Xio, qui. Prendre sous son aile, Kudumch. Oh, je l'ai même pas fait exprès. Tu aurais, j'aurais dû. C'était. Et le protéger. Et en fait, c'est de voir Xio à travers les yeux de Théo. En fait, c'est vraiment ultra mignon. Et j'ai trouvé ce personnage de Xio vraiment très chou. En plus, il se balade avec un classeur avec les fiches de personnages. C'est C'est un quoi, il joue aux nerd. cartes Pokémon, ouais. C'est un nerd, exactement. Et alors, pour tout vous dire, j'ai beaucoup mélangé, moi, les persos au début, sorti des cinq principaux, les autres, je me les mélangeais tous. Et sur le site internet de l'auteur, en fait, il a fait les fiches de personnages Ah, avec génial. les noms, les pouvoirs, et puis le graphique avec les forces et les faiblesses et les trucs comme Ok. ça, et leurs parents à côté. Voilà, et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'imaginais tellement, en fait, Xio se balader avec son classeur et ses cartes sous le bras, voilà. Voilà, donc c'est un personnage très chou, très mignon. J'aurais pu aussi choisir Nia, que j'ai vraiment trouvé très très chouette comme personnage. Très forte, mais en même temps très gentille, vraiment quoi. Elle est très très gentille quoi. Et elle, pour le coup, elle est vraiment pas dans cette opposition entre les jades et les dorés, et ça fait vraiment du bien. Mais je veux pas trop parler de tous les personnages, je vais laisser Navande si elle veut Ah non, mais beaucoup tu mieux peux, hein. parler. Effectivement, Ah, Nia, c'est la boute en train, en fait. Nia, oui. c'est Ouais. le. Ultra bienveillante, enfin, très toujours positive. Ouais, pleine d'énergie. Oui. Mais Et ça, elle, c'est. pour le coup, elle veut vraiment la faire, cette compétition. Elle a Oui. vraiment envie, quoi. Elle est à fond Elle, dans le ça truc. l'amuse, quoi. Elle, c'est le Ouais. jeu, quoi. C'est le jeu, c'est l'honneur. C'est. Non, non, elle est très chouette. Est-ce qu'un trio peut être un personnage préféré? Parce Oui. qu'effectivement, on a notre trio Nia, Xio. Pourquoi d'un seul coup j'ai eu un bug? Et Théo qui fonctionne bien. Théo et Choupi aussi. Oui. J'ai tendance à ne pas choisir les personnages principaux comme personnages préférés quand on fait les Twitch parce que je trouve ça trop facile.
Mais j'aime beaucoup le trio et je trouve que Xio, comme tu disais, Yoda, il est tout choupi, c'est le petit nerd, t'as envie de le protéger. Je le visualise tellement avec son petit classeur comme ça. Alors attends, attends. Oui, ah non, mais je l'ai en version dorée. Vas-y, c'est mieux. Tiens, prends. Que les cartes à collectionner, elles ont plusieurs impressions aussi. Donc, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est quand même le fils de la malchance. Oui, je Il voulais part. parler de son père aussi, qui a l'air super Mais cool. son père a l'air tellement chouette. Je sais pas, il est tout choupi, j'ai envie de le. Vas-y, ça va aller, mon petit, tout va bien. Donc, ouais, le trio fonctionne bien, mais je dirais que dans le trio, mon chouchou, c'est effectivement Xio, puisque je veux juste le pat-pat, quoi. Mais oui, c'est ça. Tout le monde a envie de le protéger, quoi. Donc, voilà. Puis Théo, c'est quand même aussi. Il est drôle, lui aussi. On oublie de dire qu'il est trouble fête. Hein. Il aime bien faire des conneries. C'est rigolo. Il met l'ambiance. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie spoil pour que je vous pose d'autres questions et qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, ou est-ce que vous pensez avoir d'autres choses à aborder pour nos auditeurs et auditrices qui ne veulent pas se faire spoiler? Est-ce que vous avez une ultime bafouille? Non, bah moi je pense que tous mes sujets de râlerie, ils sont plutôt avec spoil, donc Oh, c'est vrai qu'on n'a pas j'ai hâte encore de râlé. t'entendre râler. Non. Pas que j'ai hâte de t'entendre râler, mais c'est juste pour voir sur Oui, quel sur sujet quoi? justement. Voilà. Bon. Du coup, on vous invite à partir si vous ne voulez pas être spoilé. Parce que là, on va y aller gaiement. On espère qu'on vous a donné envie. En vrai, ce livre est très chouette. Il est prometteur. Je sais malheureusement pas comment ça va se passer pour la suite en français, puisque c'était publié chez ActuSF, qui est malheureusement en liquidation judiciaire. Donc, je sais pas comment ça va se passer pour la suite en français. En anglais, il n'y a pas de questions à se poser, mais vous lisez pas tous forcément en français, donc en anglais, pardon. Donc Non, voilà. pas moi déjà. Donc. Ouais. Je vous raconterai. Tu nous Ah, raconteras. c'est gentil. Tu traduis le livre? On Oui, va faire d'ailleurs, au ça, moins. ouais. La suite est sortie en anglais ou pas? Je crois pas. Non. Non. J'ai pas vérifié, mais je crois pas. Ok. Bah, on verra. Du coup, à plus tard, ceux qui veulent pas être spoilés, revenez nous dire ce que vous en avez pensé quand vous l'aurez lu. Venez nous écouter. Et maintenant, dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu. Un petit jeu. Un petit jeu, puisque. Allez, jouons. Donc, dans le livre, le premier devient le porte-lumière, celui qui ira raviver toutes les autres petites pierres des temples pour éviter aux dieux obsidiennes de revenir. Et le dernier du classement, bah, il va juste servir de fioul, hein, pour cette petite pierre, et donc il va se faire sacrifier. Ouais, quand on vous disait qu'il y avait quand même des enjeux. Ah bah du coup Le justement, perdant meurt. pif pifou, il s'en va. Au revoir pif pifou. Le dernier va mourir. Le dernier va mourir. Donc vous connaissez le j'embrasse, je non, enfin je oui si je couche avec, je Oui. marie et je tue. Ouais. Bon bah tu mets Alors, je qui en marie porte-lumière? Aurelio. Non, tu arrêtes toi. Vous auriez aimé alors le porte-lumière, ta-da-da-da-da, comme si on s'y attendait pas, c'est Théo. Oh! Et le sacrifié, là pour le coup, je l'ai vu venir au bout d'un moment, mais personnellement, je m'y attendais pas. Je pensais que ce serait Xio et que ce serait trop dur pour Théo de sacrifier Xio. Et du coup. Ouais. Oh, quelle surprise, nous Ta ta dit. ta 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 ta. ta. Et du coup, c'est Oristella. Ah, je sais pas comment. Oristella. C'est Stella. C'est Stella. Oristella. Voilà, Stella. Ouais, C'est plus Stella. facile. Qui aurez-vous
préféré avoir en porte-lumière et en sacrifié? Yoda, vas-y. Ah, pardon, je t'ai coupé, j'en fous. Non, non. Bah, en porte-lumière, pour moi, c'était évident qu'on allait arriver sur Théo tellement qu'en fait, j'ai même pas pensé à est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Est-ce que j'aurais aimé quelqu'un d'autre? Peut-être Nia, parce que j'avais l'impression que. Ah, le vous. Enfin, pas que Théo le méritait pas, loin de là. Hein. Mais Nia est bien partie. Mais c'est. Après les autres, ça aurait été très drôle que ce soit Aurelio. Et Auris était là en Non, sacrifié. non, mais Oh, ça aurait été t'imagines pas ce drôle. l'enfer. Quelle horreur. Bah non, et Nia en porte-lumière et Théo en sacrifié, ça aurait été drôle aussi, hein. Ouais, Ah, la classe. l'horreur. Voilà. Donc en fait, je sais pas trop qui j'aurais pu voir d'autre en porte-lumière parce que je trouve que Théo pour le coup est quand même plutôt pas mal. En sacrifice, Ocello est très facile à choisir, je trouve. Mais moi, j'ai pas trop aimé Daisy. Ah, oui. Ouais, qui est peut-être finalement en fait le perso le plus fourbasse de tous. Même si c'est pas forcément volontaire, je pense, Son parce qu'en fait pouvoir, son quoi. pouvoir Oui. c'est qu'en fait les gens tombent amoureux de lui. Mais c'est son pouvoir, donc je pense pas que ça soit forcément super conscient tout le temps. Mais il a, en plus, Encore que quand même, il a pas c'est l'air vrai. méchant. Enfin, il s'en Non, il a pas sert l'air méchant, effectivement mais bon. dans les épreuves parce que bah ça lui permet de gagner des épreuves. Mais après, tu vois, il y a un moment où il sauve Théo. Oui. Bon, il faut choisir quelqu'un, donc. Oui, en fait, c'est là que c'est intéressant, je trouve, quand même, Ouais. ce concept. C'est que, en fait, t'as envie que personne perde parce que dans tous les cas, c'est horrible, ce concept de bah, il y en a un des 10 qui va devoir mourir à la fin, quoi. Et ça, tu le retrouves vraiment beaucoup à la fin. Au fur et à mesure que les épreuves passent, le mood, il plonge un peu et à la fin, ils disent, mais en fait, on est juste tous une bande de copains, on a appris à se connaître, même les Jade et les Dorés. Et c'est. On pourra en parler plus tard, mais moi, c'est cette scène justement où ils sont censés être dehors, faire du shopping et ils s'assoient tous sur un. Enfin, tous non, parce que t'as Ocello et Stella qui font les courses, hein, ils font du shopping, ils s'en foutent. Mais tous les autres, tu sens que vraiment ça y est, ça les pèse. Ils se disent que, ok, demain, il y a l'un d'entre nous qui part, c'était pas juste un jeu. Oui, et c'est d'ailleurs très. Enfin, pour le coup, au départ, en fait, ils sont quand même vachement inconscients, en fait. Enfin, pas inconscients, mais vraiment, ils y vont pour se balader, ils partent en colonie de vacances, mais vraiment, c'est ça. Et il n'y a que. Théo, qui voit bien en fait dès le début que quelqu'un va mourir, il est même avant le début des épreuves, il est même très inquiet pour sa pote Nia, parce que il sait qu'elle va être choisie, enfin il en est persuadé qu'elle va être choisie, et il a peur qu'elle meure en fait de tout ça, même si elle est très forte et tout, ça lui fait peur quoi. Mais Nia, elle est très, elle pour le coup, elle n'a pas peur du tout. Mais à part Théo et Exio. Que tout le monde pense qu'il va mourir, hein, donc puisque c'est le plus faible et tout ça, tous les autres vraiment ils sont royalement inconscients qu'à la fin quelqu'un va mourir quoi. Alors je mettrais un bémol là-dessus quand même. T'as Ocello justement, Aurelio, pas Ocello, Aurelio qui trouve ça justement honteux qu'il y ait deux Jade, qui ait pas de chance en fait, ils vont forcément dans sa tête être sacrifiés. C'est pas honorable pour lui. Y a pas d'enjeu, du coup il y a moins d'enjeu. Je pense que lui il a conscience, Oui. mais à un niveau différent. Oui, que c'est pas une compétition juste du coup, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a moins de réalisation parce qu'en fait tous ils se disent bah c'est bon, ça sera pas moi, et puis non, bah ça sera pas mon frère ou ça sera pas machin. Et en fait au fur et à mesure ils se rendent compte qu'en fait ça va être quelqu'un et que bah c'est horrible. En fait cette cérémonie elle est Ouais. horrible. Elle est Le affreuse. concept est affreux en fait, et c'est en plus au milieu de cet univers comme on disait, qui est ultra positif, ultra joyeux, heureux, lumineux, coloré et tout. Et au milieu, t'as cette espèce de truc horrible où en fait on met 10 ados, ils vont faire des épreuves et puis le premier va tuer le dernier. Oui, en plus. Oui. Ouais, c'est.
Alors, non, vous Ah êtes non, chaud. c'est... J'ai un petit chat qui m'a rejoint, qui manifeste son mécontentement de ne pas être au centre de l'attention. Donc, navré si vous entendez des petits miaulements. Pas de problème. Pas de problème. Et du coup, moi je suis d'accord avec ce que tu disais à un moment que je m'attendais pas forcément. Enfin, oui, c'était sûr que c'était Théo qui allait gagner. C'était assez sûr qu'il allait pas vouloir faire le sacrifice, je trouve. Mais par contre, que ça soit Oristella, ça c'était pas vu d'avance, effectivement. Non, non, personnellement, je voyais vraiment plus Xio. Ou ensuite, je pensais à une, je sais pas, à Atsi ou enfin celle qui est avec le tonnerre, ou Ou Ocelot qui sont ainsi bas Ocelot. du classement. Bah, c'est pas tant le fait qu'ils étaient bas dans le classement que eux. Ils n'étaient pas hyper fair-play hein, dans leur façon d'agir. Oui, on s'attache moins, donc Voilà. Tu te dis qu'en fait, le porte-lumière, c'est quand même celui qui est censé pas sauver, enfin, si, sauver un petit peu le monde. Donc, c'est censé être le meilleur d'entre eux, mais pas que sur les capacités physiques, sur les capacités. Enfin, sur, je pense aussi, tout ce qui est. Sens du sacrifice, du devoir, la cohésion. Enfin, je le vois comme ça, une personne sur laquelle tu peux compter et que tu peux admirer. Bah, moi, quelqu'un qui me balance des cailloux à la gueule parce que. Et en plus des cailloux à la gueule d'un pauvre gamin de 13 ans qui a rien demandé, je me dis, merde, t'as si peu confiance en tes capacités pour agir comme ça? Donc, c'est plus une de ces personnes que j'aurais sacrifiée que Stella. Bah oui. Là où je trouve que c'est difficile de se dire, ah, toi tu penses que ça aurait dû être qui ou machin, et ça rejoint en fait un de mes points négatifs sur ce livre, c'est qu'en fait on sait tellement pas comment ils sont notés, sur quoi ils sont notés, quel est le but des épreuves, qu'est-ce que c'est les qualités qu'ils recherchent, etc. Et tout ça est quand même tellement opaque et presque aléatoire que en fait il y a eu des moments où j'avoue que moi le mode de classement des épreuves avec le enfin là on est encore plus que dans un Deus Ex Machina, c'est que c'est clairement dit, c'est en fait y a Dieu là qui décide et il sait tout, il est omniscient, omnipotent, il décide et quitter pour remettre en cause ses décisions. Mais par contre quand il y en a qui disent mais ok mais il décide comment, on leur dit bah ta gueule il décide quoi. Et c'est vrai que du coup t'es là genre oui mais en fait moi, j'aimerais bien savoir il décide comment, parce que là effectivement les résultats ils sont random, et même en tant que lecteur extérieur sans affect ou sans machin, tu les trucs, tu peux dire, ok, il y a certains trucs où tu peux dire, ok, bah là, Ocelot, il a balancé des cailloux, donc il perd des points, logique. Mais il y a plein de moments sur les 5 épreuves où juste, t'as un peu l'impression que le classement il change parce qu'il faut que le classement il change comme ça. Et il n'y a pas vraiment de logique, je trouve, dans ces classements. Et ça, c'est un peu, ça m'a un peu gêné. Je suis assez Donc. d'accord sur ça. Parce que, pas en plus que très aléatoirement, tu as le classement de l'épreuve, mais du coup, en plus, du coup, ça te fait changer le classement général. Tu comprends encore moins comment ils changent le classement général. Est-ce qu'en fait ils additionnent les points ou Oui, est-ce ça. qu'ils Parce qu'en machin? plus, t'as même pas le détail de l'épreuve, t'as juste le résultat du classement général. Voilà. Tu te dis, ok, mais alors c'est quoi, chaque nouvelle épreuve efface le truc d'avant? Ou comment C'est ça. ça... Ou est-ce que c'est une Alors, moyenne? ouais. Et puis finalement à la fin, je vais direct à la fin, c'est pas très grave, mais à la Non, fin t'apprends que vas-y. finalement ce classement, il a été calculé, enfin décidé en fait dès le départ pour que ce soit Théo qui gagne. Tu fais, bah, alors finalement on s'en tamponnait en fait de qu'est-ce qui s'est passé au milieu quoi. C'est Je sais presque. pas si. Moi j'ai pas compris qu'il avait été fait exprès pour que Théo gagne. Moi non plus. Ah bah moi ouais pour le coup. Mais c'est un peu ce que. En fait, ce que je trouve
mais que j'espère qu'il sera éclairci dans la prochaine saison, enfin la prochaine saison, n'importe quoi, dans le prochain tome. Je suis déjà sur l'adaptation en série, moi. Oui, ça marcherait bien. Ouais. C'est que t'as l'impression, effectivement, à la fin, que les obsidiennes, ils ont un peu. Ils te laissent entendre qu'ils ont peut-être manipulé les trucs. Alors, tu sais pas si effectivement ils ont le pouvoir de bypasser les décisions de sol et de manipuler les classements pour avoir leur truc, mais en même temps, ça a pas l'air d'être exactement le résultat auquel ils s'attendaient. Tu sais pas exactement ce que c'était leur plan, tu sais pas exactement quel impact exactement ils ont pu avoir. Tu sais pas si Sol, il avait quand même un impact sur les classements et même sur le choix des candidats. Et dans ce cas-là, bah, pourquoi il a choisi ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'il fait ces espèces de classements complètement random? Tout ça est vraiment pas clair, j'ai trouvé. Moi, Parce que j'ai... voilà, quand... Pardon, Ouais. vas-y. Parce que quand t'as les obsidiennes à la fin qui disent oui, donc nous, notre plan... J'ai l'impression que leur plan c'était que Xilio soit dernier pour que le sacrifice ne marche pas vu que en fait c'est pas un vrai dieu ou je sais pas quoi. Je me suis un peu dit que c'était ça leur plan mais j'étais pas sûr. Mais finalement c'est pas ça qui se passe. Ils disent ah finalement ça s'est encore mieux passé parce que Théo de lui-même a décidé de pas faire le sacrifice. Mais en fait du coup Ah ça veut ouais, dire qu'ils donc n'avaient c'est pas ça le plan. complètement la main sur ça. Ah bah alors du coup, j'ai rien compris au plan. Mais Je je suis pensais pas que moi, leur sûr hein. plan, c'était que Théo finisse premier, parce qu'ils savaient que Théo ne sacrifierait pas le sacrifice. Ah, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu une bonne surprise le fait que Théo sacrifie pas le sacrifice. Genre, ils se sont dit, ah, Ouais, ça s'est encore mieux passé que prévu, quoi. J'ai l'impression qu'ils disent ça à la fin. En tout Ouais, cas, non, ce mais. que j'ai l'impression, c'est qu'ils n'influencent pas directement le classement en mode vas-y, je mets les points où je veux, machin, mais plutôt ils influencent l'état d'esprit des participants pendant Oui. l'épreuve pour leur faire perdre des points. Oui, ça oui, le comportement avec les yeux noirs, ça je pense que c'est le pouvoir de Xio en fait. De rendre les gens un peu jaloux et de les rendre un peu fous. Et du coup, qui deviennent un peu violents et qui se mettent à faire n'importe quoi, à perdre le contrôle. Ah mais c'est bien Mais pensé, ce pourquoi du que... coup? Pour Moi le j'avais bien moi. compris que c'était Xio, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a besoin que les autres perdent des points, quoi. C'est... Bah oui, c'est ça qui est pas clair parce que du coup c'était quoi l'objectif quoi? Parce qu'effectivement moi j'ai eu l'impression que c'était Xio qui les faisait faire n'importe quoi. D'accord. Mais pourquoi? Parce que j'ai aussi eu l'impression que leur plan c'était que Xio perde. Donc du coup peut-être qu'en fait c'était pas ça leur plan, mais du coup leur plan c'était quoi? Tu vois, Je je... pense effectivement que Xio devait être en bas du classement. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la deuxième épreuve, il y a quand même l'histoire de la souris qui était dans son manteau et qui perd. Oh zut, c'est pas de chance. Oui. Dans je sais plus laquelle Caillou à la d'épreuve. fin. Comment? Caillou à la fin, en fait, aussi pareil, Oui, quoi. voilà, il trébuche, il peut pas les mettre dedans. Et de toute façon, il est Oui, resté en arrière. Il a rien fait. mais Il a juste il fait attendu que aucun ça passe. effort à aucun moment, C'est ça c'est ça. sûr. C'est ça. Et à mon avis, effectivement, pour être dernier. Pour Ouais. être dernier, pourquoi? Est-ce que parce que il pensait que Nia serait première et qu'elle voudrait pas non plus le sacrifier, mais en fait, elle est tellement Moi, je honorable qu'elle l'aurait pense fait. pas, je pense que le sacrifice aurait eu lieu. Moi, ce que je me suis dit, c'était que comme c'est pas un gold ou un jade, en fait, son sacrifice aurait pas re-rempli les. Ou ça aurait perverti les pierres, Ouais, peut-être. c'est ça, et ça aurait. Qu'en fait, ça aurait pas Ah, marché du coup. j'avais vraiment rien compris alors quand même. Mais je suis pas sûr. Non, Parce mais qu'en fait, c'est des honnêtement, en théories. fait, pour moi, le gros point noir, enfin le point noir du roman, c'est qu'en fait, toute cette histoire, en fait, elle sert juste à ce que les obsidiennes reviennent. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'histoire, elle commence. Tout le Oui. truc, il fait 500 pages, en fait, pour en arriver là. Et c'est très cool, j'ai beaucoup aimé les épreuves, les machins, tout ça. Et puis les personnages qui sont potes, leur virée, là, où ils font le mur pour aller acheter des bonbons, c'est très cool, quoi. Mais en fait... Je me suis dit, ok, en fait, c'est pour arriver à la fin au sacrifice qu'il n'y ait pas de sacrifice. Et du coup, si, en fait, vous pensiez qu'il allait y avoir un sacrifice, moi, je pensais qu'il n'allait pas y en avoir, d'abord. Mais bon. Et que c'est, en fait, finalement, à partir de là que ça démarre, vraiment. Donc, dans le tome 2. Voilà. Mais, Oui, c'est ça, c'est et un peu une que. intro. Oui. Que tout ça, en fait, c'était une intro dans laquelle on s'est beaucoup amusé, mais que. Et qu'il y avait finalement peu d'importance, scénaristiquement parlant. Oui. Oui, et en même temps, ça Voilà. permet aux personnages de se... Comme... Enfin, c'est un tome d'intro, tu vois les personnages qui tissent des liens,
T'apprends un peu plus sur le monde, les dieux. Ah, c'est un tome d'intro sur une duologie. Ouais. Faut quand même. En même temps, j'espère que ça va pas non plus durer trop. Enfin, tu vois, je pense que le tome 1 me hype plus qu'un éventuel tome 2 où ils vont aller chercher les différents morceaux de sol, quoi. Oui, ça ressemble. L'amorce du tome 2, ça faisait vraiment au début de quête de jeu vidéo avec chaque dieu qui lui dit: Tiens, je te donne cet artefact surpuissant. Et moi, tiens, je te donne cet artefact surpuissant. Et donc, d'un côté, c'est logique que Ça des faisait dieux Galadriel qui donne ses mais cadeaux, en fait. tellement. C'est logique que des dieux millénaires aient des artefacts puissants et des trucs super forts, et que du coup là, pour cette espèce de quête, ils les donnent aux gens qui vont le faire, mais c'est vrai que la façon dont c'était présenté, ça faisait un peu genre « Et moi, je te donne cette épée magique! Et moi, je te donne ce super bouclier! Et moi, je te donne cette potion de vie! » Et t'es là « Ok, bon, super, on fait les stocks de... on se stuff et... » C'est ça. Un seigneur des anneaux un petit peu kitsch. Oui. Mais ouais, je sais pas. On verra du Voilà, donc coup. Voilà, ouais, moi je trouve que en c'est fait, ça le plan est incompréhensible quand même, de Ouais, base. oui, c'est un peu la Un plan faiblesse. incompréhensible, un classement qui est incompréhensible. Voilà. Voilà. Si c'est Sol qui choisit, Sol qui est censé tout savoir, tout connaître, pourquoi il choisit Xio du coup? Est-ce qu'en fait il sait pas que c'est un obsidienne? Oh Et s'il sait que c'est un obsidienne, en fait, pourquoi il choisit Xio? La question se pose aussi. Parce qu'en fait, c'est complètement. Effectivement, enfin, ça choque tout le monde, c'est normal que ça choque tout le monde, c'est complètement random de choisir ce petit gosse de 13 ans pour aller compétiter dans ces épreuves dont on sait toujours pas ce qu'elles sont censées prouver. Parce qu'en fait, de toute façon, on nous dit pas qu'est-ce qu'ils doivent prouver, et derrière, on fait des classements random. Complètement genre ah tiens toi il faudrait que tu descendes. En fait t'as un peu l'impression sur les classements que genre il y en a il faut qu'il y en a un il faut qu'il monte, c'est Théo, bon il faut qu'il monte en bas et qu'il monte. Auristella il faut qu'elle commence en haut et qu'elle descende. Aurelio il faut qu'il reste en gros en haut, et Xio il faut qu'il reste en gros en bas, et puis les autres bah on voit où ça les met parce qu'on va compléter les places quoi. Mais Exactement, c'est ça. Bah, c'est il un y a jet de dés, quoi. pas. Ouais, il n'y a pas de logique quoi. Si t'as Neya qui doit rester à peu près en haut, mais alors pareil, elle fait un peu le yo-yo dans le haut. Tu sais pas pourquoi. Enfin. Il y a vraiment pas de. Ça, c'était vraiment le plus gênant, ouais. T'as vraiment pas de logique. Et du coup, tu comprends ni ce que peuvent faire les obsidiennes, ni ce qu'ils voulaient faire, ni ce que peut faire Sol, ni ce qu'ils voulaient faire. Du coup, tu comprends pas grand-chose quand même, quoi. Mais en fait, faut espérer que le tome 2, ça sera pas juste une quête de héros qui vont de ville en ville à la recherche d'eux, mais aussi en apprendre plus, avoir un. Parce que là, on avait le point de vue de Théo. Est-ce qu'on aura le point de vue des demi-dieux qui ont été capturés et de ce qui se passe, par exemple, le point de vue de Xio? Ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Ouais. Xio. Moi Ouais. je pense qu'on n'aura pas, mais je pense Mais je pense qu'effectivement qu'on l'aura pas. Xio, moi c'est Xio. Du coup moi quand tu disais que Xio c'était ton personnage préféré, moi j'ai eu du mal avec Xio déjà dès le début, parce que je trouve que dès le début il est shady. Donc Non toi mais tu l'as vu franchement venir. ouais. Ah ouais, non mais Ok. Xio, j'avais zéro confiance en lui depuis le début. Il était trop, en fait j'ai trouvé qu'il surjouait le petit animal incapable. Et en fait, effectivement, toutes les épreuves où il se sabote lui-même, j'avais envie de dire non, mais là, tu fais exprès, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas être aussi nul que ça, quoi. Et du coup, effectivement, je me suis dit assez vite qu'il était shady, il fait un peu exprès, il veut pas dire c'est quoi ses pouvoirs, il élude un peu en disant ah non, mais mes pouvoirs, ils servent à rien. Et en fait, tu vois bien que c'est Théo qui décide de le prendre sous son aile et de l'aider et de allez, on va gagner, machin, et Xio, il a rien demandé en fait. Oui. Xio, il est bah, en fait, laisse-moi tranquille. Et donc, j'ai senti que c'était louche. Alors, je m'étais pas dit que c'était un fils d'obsidienne. Je sais pas trop ce que je m'étais dit. Je m'étais juste dit qu'il était louche. Ouais, à la Et fin, le que. comportement était bizarre. Ouais, que son comportement était bizarre, qu'il avait l'air de saboter les trucs et que il voulait pas forcément être sauvé et que ça se passe bien, quoi.
Mais du coup, j'ai eu du mal à m'attacher à lui parce que je trouvais qu'il surjouait un peu, effectivement, le oh, je suis un petit enfant fragile, quoi. Bah, tu vois, à un moment donné, justement, je me suis dit, tiens, en fait, il veut perdre. Mais je ne l'ai pas vu en mode gros complot ou autre. Je me suis dit, il se sent peut-être mal dans sa peau et c'est une façon pour lui de se suicider. Ah, ouais. Et c'est vrai que c'est plausible aussi comme interprétation, parce qu'il a l'air effectivement moins à l'aise. Mais je pense que de toute manière, il est quand même très mal à l'aise, Oui. même en tant Que traître. que fourbasse totale. Voilà. Je pense que quand même, il y a quand même des moments, quand même, à mon avis, où voilà, il est quand même bien avec les autres, quoi. Il y a quand même une ambivalence, ouais. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. C'est qu'il a quand même eu une ambivalence. Il y a quand même des moments où tu le sens un peu s'ouvrir. T'as le moment, justement, par exemple, où il parle de sa transidentité avec Théo en lui disant qu'il l'admirait et que le fait qu'il ait fait des trucs, ça l'avait aidé, etc. Où là, t'as l'impression que ça, c'est sincère. Que donc, il y a des sujets qui lui sont plus intimes où il va vouloir aller vers les autres et qu'il est retenu, alors du coup probablement par bah, le fait que ça soit un obsidienne, qu'il est là pour venger tout son peuple et libérer ses parents et je sais pas quoi. C'est une grosse pression à mettre sur un gosse de 13 ans aussi, hein. Mais du coup ça je trouvais intéressant cette espèce d'ambivalence et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant si c'est bien traité dans le prochain tome. Faut pas que ça soit trop facile non plus de juste ah je me repens, je vais t'aider Théo parce que regarde. On est tous les deux trans et on est amis. Tu m'as donné des bonbons. Voilà. Mais exploiter cette ambivalence et voir comment. Bon, voilà. Moi, je pense que oh, au final, il va se retourner et il va être crucial dans le fait d'aider Théo à sauver les autres otages. Mais ça serait bien que ça soit fait un peu subtilement et intelligemment, quoi. Puisqu'on est sur Xio et son retournement, bon, en fait, du coup, j'ai pas compris Malasuerte, qui du coup est son père qui n'est pas son père. En fait, il sait qui c'est son fils. Ben, j'allais vous demander, est-ce que l'un de vous a le bouquin sous les yeux? Puisqu'au moment où va y Ouais. avoir le choix, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est pour ça, au moment où il y a la Ouais. cérémonie, il dit quelque chose d'hyper bizarre à Théo que Théo ne comprend pas. Et je me demande si c'est pas un indice sur le fait qu'il est au courant. Donc avant, en fait, quand ils font l'espèce de Ouais. buffet. Ouais. Au moment du Alors vas-y. choix ou au moment de quoi? Non, au moment Avant du le buffet. choix, au moment du buffet. Quand justement on te présente tous les dieux et leurs enfants, t'as Xio et Théo qui sont avec Malasuerte et Quetzal. Et il y a Malasuerte qui dit quelque chose de bizarre à Théo du style bah, j'espère que tu perdras ou fais un truc pour ne pas gagner ou pour pas être choisi. Enfin, je sais pas, il lui dit un truc un peu chelou. Et comme j'ai fini le bouquin à 20h28, je n'ai pas eu le temps de refeuilleter les choses que je trouvais intéressantes niveau indice. Ouais, je l'ai là. Alors là, c'est Malasuerte qui est en train de parler à Théo en lui disant qu'il a bien grandi. C'est cool. On s'en fout. Ok. Et Malasuerte qui, lui, pour le coup, a toute une ribambelle de gamins. Lui, pour le coup. Il est en train de di il dit qu'il c'est agréable de passer du temps avec avec les enfants et du coup on voit tous les petits-enfants. Hop. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que là, ils disent que un de ses enfants a 30 ans. Donc comme quoi il reste aussi quand même dans le coin. Donc il a 10 enfants, blablabla. Xio a 13 ans, ça on s'en fout. Non, j'ai pas. Alors, moi, j'ai pas retrouvé le buffet, mais là, il y a le moment où Xio est choisi, en gros. Il Et moi, pense j'avais pas que souvenir. son fils va être choisi, par contre, hein, Non. puisqu'il dit à Quetzal que nous, les Jades, nous sommes ici pour la forme. Ouais, mais Et entre moi, ce qu'il j'avais dit et tout souvenir ça. qu'il était vénère au moment où Xio est choisi. Mais en Ouais. relisant, en se disant qu'il sait. Pour moi, il savait pas. Je m'étais dit qu'il savait pas. Mais en relisant, tu peux te dire que peut-être il sait. Parce qu'en gros. Il est super vénère quand Xio est Oui, c'est choisi. vrai.
Il dit en gros Luna, you tell souls I cannot have Xio for donc ah oui en français. Dit à Sol que il peut pas avoir Xio pour ses jeux. Donc Luna lui dit bah Sol il a choisi machin. Malasuerte dit Sol a tort. Blablabla. Après il dit je vais tout casser plutôt que vous laisser me le prendre. Et après il dit Xio est mon fils genre en hurlant ça. Donc je sais pas si c'est une espèce de d'auto-persuasion ou si c'est il défend Moi, j'avais compris que pour lui, Xio était vraiment son fils, parce que Moi vraiment, il j'aurais voulait pas pensé ça qu'il y aussi, aille. ouais. En fait, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait ne pas savoir que c'est. Bref, vous avez compris. Enfin, il le sait si c'est son fils ou si c'est pas son fils quand même, quoi. Voilà. Surtout que je vois pas comment les obsidiennes qui sont enfermées peuvent agir. Tu vois, il peut pas y avoir un échange de bébés depuis les constellations ou j'en sais rien. Enfin. J'ai trouvé ça moi c'est Malasuerte que j'ai pas trop compris du coup s'il savait ou s'il savait pas donc pour moi en fait en tout cas au début quand Xio est choisi il est vraiment il veut pas qu'il y aille mais il sait pas qu'il veut pas qu'il y aille parce qu'il sait que c'est un obsidienne c'est qu'il veut pas qu'il y aille parce que c'est son fils quoi Oui. c'est Pour moi, c'était qu'il plutôt sait ça, qu'il ouais. va Il voilà va perdre son enfin je vais fils, comme quoi. ça voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai pas trop compris comment. En fait, j'ai pas compris comment les obsidiennes avaient fait pour infiltrer Xio. Ouais, je sais pas non plus. Bah c'est pareil, ça fait partie des questions. J'espère où on aura un retour. Est-ce que Malasuerte s'est barré parce que il veut aller chercher Xio? Est-ce que il s'est barré parce qu'en fait c'était le plan depuis le début et il veut pas se faire choper? Ou il s'est barré parce qu'il a peur de se faire choper et que personne ne le croit? Moi j'aime bien Malasuerte. Moi aussi Aussi j'aime j'aime bien beaucoup. Malasuerte aussi, ouais. Ah ouais, il est très très. Enfin, voilà. Et en fait, je l'aimais bien. Je l'aimais bien aussi parce que bah, parce qu'il voulait. J'ai l'impression qu'il était très attaché à son fils. Oui, très Voilà. protecteur. Oui. Oui, puis il est rigolo. Ouais, il est quand même assez sarcastique aussi quand même. Enfin, au début Se avec les prend moins au journalistes, en fait. sérieux, Voilà, ouais. c'est. Voilà. Ouais, je trouve plutôt cool. Et alors son illustration, il est très classe d'ailleurs sur le site. Ah, bah, Oh, je me je suis en demande train à de quoi il regarder pour ressemble. Il ces faudra qu'on illustrations. aille voir, effectivement. Ouais. Voilà. Mais du coup, ouais, je sais pas, effectivement, est-ce que il sait ou est-ce qu'il sait pas? Et du coup, s'il sait, s'il sait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est quand même pas dans le plan des obsidiennes, vu que Bah, même ouais, s'il bon. sait, il veut pas que Xio aille participer au truc, donc ça pourrait Ouais, et être puis qu'il bon, sait, c'est mais il quand veut quand même même le protéger. c'est un Jade quoi, il a pas non plus quoi est-ce qu'il ferait ça? Voilà. T'avais d'autres points noirs, toi, Jean-Jean? Je pense qu'on les a un peu basculés. Globalement, c'était ça. C'était qu'on les a basculés, n'importe quoi, balayés. C'était ça. C'était surtout, bah, en fait, oui, les choix de sol, le scénario, le classement des épreuves. À quoi servent les épreuves? Quel était le plan des obsidiennes? Enfin, plein de choses. Donc, je garde l'espoir qu'on ait des explications. Au prochain tome, même si je vois pas comment on peut avoir ces explications sans tomber dans l'écueil du discours du méchant qui explique son plan rétrospectivement. Bon, mais je Moi je préférerais ça que suis pas pas savoir quand ouais. même, je pense. Je suis vraiment pas sûr qu'on ait une explication sur ces choses comme ça. Ouais. En fait, Bah, je sais pas. c'est des points noirs mais qui sont pas rédhibitoires en fait. Bah, c'est ça, c'est Ah qu'en oui, fait. non, c'est pas rédhibitoire. L'histoire est agréable en fait, comme tout ce qu'on disait, l'écriture est agréable, l'univers est super intéressant, les espèces d'épisodes sont sympas, les personnages sont attachants, etc. Il y a juste quand tu essayes de réfléchir un peu au scénario où bon, tu te dis bah là, ça, je comprends pas trop, ça marche pas vraiment ton truc, mais bon. C'est pour ça que je disais au début que j'ai des choses dont râler, mais que j'ai quand même aimé. Étonnamment. Et il y a aussi certains écueils dans lesquels on tombe pas ou pas directement. Par exemple, je pense à Théo quand il réalise l'histoire des yeux noirs, là, machin. Oui.
En fait, dans n'importe quel livre ou série, enfin dans la plupart des trucs, il l'aurait gardé pour lui, il en aurait peut-être parlé juste à Nia ou juste à Xio et après machin. Là, il va, il le dit à tout le monde, il se fait envoyer chier parce que bah l'Ombré c'est une personne antipathique et que c'est pas le moment et bon, il se fait un peu jeter. Et on peut peut-être se dire c'est un peu facile qu'il se fasse jeter sans même pouvoir montrer ses vidéos et ses machins. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien que, bah, ouais, son premier réflexe, c'est un ado, il découvre un espèce de début de complot bizarre dans l'épreuve des 10 ans de la société. Et bah, il va le dire aux adultes, quoi. Genre, c'est logique, mais c'est rare, en fait, Logique, que les jeunes mais fassent ça. tout à fait, ça c'est hyper cool, mais ça me fait penser du coup, vous n'avez pas trouvé ça bizarre, Verdad, qui est donc un des journalistes, qui l'oriente vachement sur ça, et la déesse d'avant, Opsito, qui lui fait comprendre que, Option. ouais, mec, t'as le choix, tu pourrais foutre le monde en l'air et ne sacrifier personne, wink wink. Ouais, c'est vrai que Option, elle lui dit un peu ça. Mais je sais pas si c'était bizarre ou pas parce que je pense que c'est. Moi, je l'ai vu comme c'est complètement dans sa personnalité. Enfin, c'est dans le nom, tu vois. C'est la déesse des options, des choix. Donc en fait, elle dit. Qu'elle dise, en fait, t'as toujours le choix. Je trouvais que c'était complètement dans son caractère, quoi. Qu'elle Alors le dise après. oui, c'est plutôt le regard qu'il y a avec. Est-ce que je. Il y a un petit Oui. regard de connivence avec Théo, quoi. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'elle se doute que lui, il va faire ça, je sais pas. C'est mystérieux. Que de mystère. Dans les vraiment détails qui vont un peu chafouiner, mais c'est vraiment du micro-détail, c'est qu'en fait, les enfants qui sont choisis, là, ils ont entre 13 et 18, 13 et 18, et que cette épreuve, elle a lieu tous les 10 ans, ce qui veut dire qu'en fait, t'as la moitié des gamins qui, en fait, n'a aucune chance de participer à l'épreuve. Enfin, chance ou malchance, comme on veut, quoi. Mais ça a l'air d'être quand même un truc, ouais, on va participer à la grande épreuve, mais en fait, t'as la moitié, en fait, de la population qui, déjà, en fait, n'a aucune chance d'être choisie parce qu'ils sont pas dans la bonne tranche d'âge au moment où a lieu l'épreuve. Je sais pas, pourquoi les pauvres, quoi, c'est... Après, potentiellement, du coup, l'avantage c'est qu'ils le savent dès leur naissance à la limite. Donc c'est vrai que Oui, tu te ouais. projettes pas. Te projetais pas pour... Ouais, voilà, Oui. au moins t'es pas à te projeter et à ne pas être choisi, tu vois, par exemple. Là, tu sais que bah toi tu feras pas ça, quoi. Ouais, c'est un peu triste pour eux quand même. Oui, ou Je alors sais c'est pas. plutôt une bonne Ou pas nouvelle. triste, d'accord. Mais... Je serais quête sale, moi j'aurais pas refait un enfant qui aurait pu être choisi. Hein. J'avoue, J'aurais j'aurais calculé, visé. tu vois, C'est comme tu clair, calcules tu tes vises règles quand pour tu vises tes partir en enfants. vacances. C'est ça. Alors. Au moins tu calcules pour que ça tombe dans le bon créneau, quoi. C'était pas. C'est ça. Donc bon. Puisque oui, quête sale, si jamais vous êtes là parce que vous aimez vous faire spoiler. A eu une fille qui a été sacrifiée. Donc c'est pour ça qu'on dit elle aurait mieux fait de mieux calculer quand tombée enceinte. Pour le deuxième, c'est Ouais. clair. La pauvre. J'ai La bien pauvre aimé quand Ketal. même. Hein. Oui. Je trouvais qu'elle était très sympathique comme personnage de mère. Bah, elle fait humaine en fait par rapport à. C'est une déesse humaine. Comme Oui. Tiara. Ah. Oui. Et cela dit, j'ai bien aimé aussi, par exemple, Luna, qui est beaucoup plus froide. Mais je sais pas, je l'ai bien aimée aussi. J'ai trouvé qu'elle avait ce côté un peu strict mais juste. Luna? Luna, ouais. Un Ouais, peu, elle m'envoyait un peu des vibes de McGonagall. Ouais, mais McGonagall, je suis d'accord, mais elle est un peu Oh. plus bien, un peu plus gentille, McGonagall, un peu plus. Genre, hé, hey, tiens, je t'envoie un balai pour que tu sois mon super attrapeur et qu'on gagne! Moi, Oui, Luna, mais. j'ai pas trop. Puisque justement, en fait, c'est quand même la personne qui finalement se pose pas des questions, quoi, sur ces Ouais. épreuves qui ont l'air de rimer à rien, ou même les enfants eux-mêmes se disent ça rime à rien, et elle, non, non, allez, on continue, allez, tout va bien. Oui, Puis et en quoi. même temps, tu vois, il y a des moments où elle recadre Ocelot en lui disant, bah en fait, là, oui, t'es mal classé, mais en même temps, t'as fait de la merde.
Il y a des moments où tu as l'impression qu'elle Ouais. essaye un peu d'égaliser les chances Ouf. en étant un peu bienveillante. J'ai trouvé qu'elle était un peu bienveillante avec Théo en essayant Ouais, de moi j'ai l'aider presque eu vaguement. l'impression qu'elle essayait de comprendre le classement malgré que personne n'y comprenait rien en fait. C'était pas. Après voilà, elle est coincée dans ce rôle aussi de Oui, mais elle messager se toute seule, pose quoi. zéro question en fait, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop aimé ça. Ouais, non, j'ai pas trop accroché, j'ai vraiment pas trop aimé perso que. Qui se pose vraiment pas de questions jusqu'au bout, quoi. Ouais. Autant tu vois, Lumbré elle est complètement antipathique, autant Luna, je la trouve pas forcément mieux, enfin. Ah ouais, si, moi j'ai bien aimé Luna. J'ai trouvé qu'elle avait cette espèce de posture de bah je suis coincé dans mon rôle qui est ultra officiel, mais dès que j'ai un peu de place, je vais tu vois, je vais essayer d'être un peu bienveillante avec Théo en lui disant bah tiens regarde on a fait des fentes pour tes ailes dans les vêtements, tu vois, c'est débile mais ou je sais pas, j'ai trouvé qu'elle avait un côté j'essaye de prendre soin de ces jeunes qui me sont confiés même si à la fin je suis là pour faire en sorte qu'il y en ait un qui soit sacrifié quoi. Non, je vais pas accrocher à Luna. Je Non. te la laisse. Voilà. Surtout maintenant elle est Ouais. morte. Voilà. Pas une grande perte. Ben, ça ne m'a même Moi j'étais pas voilà, triste. rendu Ouais. triste. Enfin, moi j'étais triste, voilà. Tu vois, j'ai J'aurais trouvé préféré. le dieu de la guerre un peu plus attachant. Il fait peur. En plus, il a une tête de jaguar, donc il fait peur. Et quand tu le vois, en fait, il a l'air tout choupi. Guerrero a l'air super intéressant. Ouais. Ah oui, bah moi Guerrero, j'ai trouvé que c'était un peu pour le coup le cliché du dieu de la guerre bon vivant qui rigole fort et qui machin, donc ça m'a pas. Je me suis dit, ok, bon bah c'est, je sais pas, c'est un espèce de Thor, un espèce de. Voilà, oui, ok, ah il fait peur, mais en fait il rigole fort, il te donne une tape dans le dos et il dit, ah oui, on est là pour la fraternité et le combat, enfin bon, ça m'a pas du tout. Il fait tellement différent de d'Ocelot que du coup ça m'a un peu marqué quand même. Je Bah m'attendais à pas moi, bah, je avoir vous laisse Guerrero, un. voilà. Eh ben voilà, tu nous laisses Guerrero, on te laisse Luna. Enfin en même temps, la petite Je vais pas poussière non qui plus reste me de battre Luna pour quoi. Guerrero non plus, donc. Non. Non, faut mieux C'est choisir. Tira qui est super cool. Oui. Tira? Tira, ouais. Le père de Nia. Lui, je l'ai trouvé très bien. Voilà. S'il faut se répartir les parents aussi, voilà. Bah, tu sens qu'il déborde d'amour, que ce soit pour Oui. le père de humain de Nia ou pour ses enfants, quoi. Puis il n'y a pas l'air d'y avoir dans la famille Nia ce rapport de classe entre les dieux, avec les humains un peu, puisque c'est une des scènes que j'ai bien aimée aussi, c'est quand en tout cas c'est la ville que j'ai préférée à Fauna. Où ils vont ouvrir les petites chimères là. Ouais, ça les brûlait. Ouais, et. Oh mon Dieu, il y a des humains. Attendez, on va les faire sortir. Bah non, faites-les pas sortir. Moi je les vois tous les jours. Enfin, ça c'est Théo et Exio. Bon, c'est bon, tout va bien. Et les autres, on peut les approcher? Tu crois qu'on va tomber malade? On va choper leur mortalité? Et c'était. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'était plutôt cool. Et Nia, c'est une des Une de celles à y aller, genre franchement avec les humains, alors que les autres ils sont vraiment sur la défensive. Non, t'approches Oui. pas. Tiens, Oui, tiens, ben Nia, c'est gentil, la tête gentil. brûlée, quoi. Elle fonce dans le Oui. tas, de toute façon. Vous avez eu, parce que j'ai parlé de deux scènes, moi, que j'ai bien aimées, mais vous, vous en avez eu? Des scènes un peu préférées, un peu chouchou? Bah, moi, les scènes dont tu as parlé, je les ai bien aimées aussi. Après, moi j'ai bien aimé les scènes entre Théo et Aurelio parce que bah voilà, ils Non, sont quand même un peu non. choupis. Et en fait, ça m'a fait rire parce que Théo, il est tellement mais borné et décidé. Oh. Enfin, c'est presque, il est complètement tête à claque là-dessus. Enfin, Aurelio, il est tout Sérieux. choupi et Théo, il prend tout mal. Il est insupportable. Moi, le moment où Théo dit à Aurelio genre, ah tu fais quoi?
Et Aurélio lui dit, bah, je regarde des vidéos de cuisine. Pâtisserie, Et ouais. Théo, il est là, genre, ah, bah, ok, bah, si tu veux pas me parler, c'est bon, t'es pas obligé de me mentir. Et il se vénère tout seul, alors que Aurélio, il est là, genre, bah, en fait, oui, c'est ça que je fais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je te dise. Ça me détend. Genre, en fait, ouais. Certains entraînements sont cool aussi. Pas Ouais. d'entraînement là, oui. Oui, où il arrive à chaque fois, Il Aurélio, il lui donne un conseil, il lui dit, non, mais tu devrais pas faire comme ça. Et tu dis, genre, oh, arrête de te moquer de moi, de toute façon, moi, je fais ce que je veux, je sais faire, et après, il sneak, et il se fait trop mal, et t'as genre, mais Oui. quel gros débile, oh là là, alors que l'autre, il est juste tout choupi. Mais Ouais. oui. Et c'est ça qui est cool aussi, si tu sens que tu as des scènes aussi parfois de tension un peu amoureuse entre différents personnages, mais c'est jamais amené, c'est pas un livre avec de la romance dedans. Bah après, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de romance dans ce livre. Hein. C'est pas basé sur une histoire d'amour, tu as des tensions amoureuses Oui. et tu vois des signes, par exemple Marino et Daisy, mais t'as Oui, pas de. c'est pas basé sur ça, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Enfin, la tension amoureuse entre Théo et Aurélio, elle est là et elle prend quand même une. C'est pas le moteur principal, c'est Non. pas le sujet principal, mais elle prend quand même une grosse part du comportement de Théo, en fait, même vis-à-vis des autres. C'est beaucoup, en fait, il se positionne beaucoup par rapport au groupe, par rapport à comment il se positionne Oui. vis-à-vis d'Aurelio, en fait. Par contre, là où je suis contente, tu vois, c'est qu'il n'y ait pas concrétisation. Pas encore. Oui, pas encore. Oh, non, Encore. mais je... oui. Mais s'il y a une concrétisation dans le tome d'après, pourquoi pas? Mais là, c'est pas juste. Ah, oh, t'as été méchant, tu m'as pas parlé pendant des années, mais oh, t'es tellement sexy avec tes tétons que je vois à travers ton crop top. Et tu m'as dit que je te manquais. Oh, vas-y, embrasse-moi. Non, c'est ça prend du temps et c'est bien. Ouais. Cela dit, pour moi, il y avait, enfin, il y a eu le moment classique de, il y allait y avoir concrétisation et oh, comme par hasard, pile à ce moment-là, ils sont Oui. interrompus. On a quand même eu cette scène où si Luna n'arrivait pas, à mon avis, ils allaient se pécho. Fufufu. Et au moment où il touche ses ailes? Oui, je pense que c'est ça. C'est quand ils ont été acheter les bonbons. Ouais, c'est ça, il lui touche les ailes pour la première fois. Ah, bah Oui. d'ailleurs, un thème qui est hyper sympa aussi, le consentement. Oui. Ça, ce moment où, et encore une fois, Aurélio, le moment où Théo lui dit, ah mais tu détestes mes ailes, bah pourquoi? Bah parce que tu les touches pas, tout le monde les touche tout le temps. Et Aurélio qui dit, bah en fait tu m'as jamais dit que je pouvais te toucher les ailes, donc ouais je te les touche pas, c'est normal. Et Théo qui est là genre, ah en fait t'es quelqu'un de bien, mais moi je voulais être vénère contre toi. Voilà. C'est genre l'histoire de cette relation, c'est. Mais t'es quelqu'un de bien? Mais non, mais moi je veux être fâché! Du coup, c'est un peu mignon. Agaçant, mais un peu mignon. Du coup, on a tergiversé, on allait à gauche à droite. Et... Je disais, on était allé à gauche à droite, mais t'as commencé à parler. Yoda, je voulais justement te demander, toi, Moi les. j'ai bien aimé les épreuves en fait. Que, bon, alors on n'y comprenait rien au classement, mais, mais en fait j'ai trouvé que c'était pas mal cool toutes les différentes épreuves, parce qu'il y avait, c'était assez varié, il y avait pas mal de choses à faire, les chimères à sauver, enfin, l'espèce de labyrinthe sur la fin, les trucs comme ça. Voilà, je trouvais que c'était rigolo, que c'est rigolo, sauf quand ils se prennent des cailloux sur la tête, mais bon. Des cailloux, des éclairs, des ronces, C'est ça. qui sont pas tendres, hein. Non, 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 pas du tout. Il y a une des épreuves que t'as préférée? Non, j'ai vraiment tout bien Tout aimé aimé? les épreuves. Ouais. Même les cailloux à la fin, enfin les cailloux, ouais, c'était vers la fin. J'ai trouvé ça intéressant. Enfin, intéressant. J'ai trouvé ça cool. Voilà. Vraiment, ouais, les épreuves, j'ai trouvé ça rigolo. Ça m'amusait beaucoup. Bah, moi, les épreuves, je pense qu'effectivement, c'était un peu mignon, mais ça, il m'a manqué le fait de comprendre l'objectif, en fait, de me dire, bah, ok, bon, bah, cette épreuve-là, c'est pour voir leur esprit d'équipe, cette épreuve-là, c'est pour voir leur ingéniosité, cette épreuve-là, c'est pour leur endurance. Et en fait, comme au final, l'impact était inexistant. Ça m'a un peu désimpliqué des épreuves en me disant, bon, bah en fait, là, c'est une épreuve, ils vont faire nimp, parce qu'à chaque fois, ils font quand même nimp. Font Ils sont là, n'importe quoi. ils ont jamais de plan, t'as envie de leur dire, mais en fait, au lieu de partir en courant, juste,
là, même tous les trois, restez 30 secondes, discutez, décidez de ce que vous allez faire, et après ça va mieux se passer. Et à chaque fois, ah, on part en courant. Et tu pars en courant où en fait? Tu vas faire quoi là? Et tu vas, et en plus, j'ai trouvé, il y a des moments où c'est aussi là où ça m'a un peu blasé aussi, c'est que les moments où ils respectent de façon claire pas les règles et le but de l'épreuve, ils sont pas pénalisés pour ça. Tu as typiquement l'épreuve qui était censée être en duo, où c'est genre, ah bah votre but c'est d'être en duo et d'être le dernier duo machin. Théo, le premier truc qu'il fait, c'est il largue son duo, il essaye de retrouver ses potes et de machin. C'est vraiment, il fait l'inverse de l'épreuve. Et pour moi, il aurait dû être bim pénalisé sur cette épreuve, tu vois. Et non, c'est quand même une épreuve où il monte au classement. Alors au final, il travaille un Bah peu du en coup, en équipe, fait, mais. moi, c'est qu'à ce moment-là où je me suis enfin, quand même dit qu'en fait, que tout ce classement était carrément truqué dès le départ, en fait, quoi. Bah, t'as l'impression que oui, parce qu'en fait, ils ont beau faire tout Voilà. et n'importe quoi, ça change rien. Donc, Le but, c'est d'énerver Othello pour que il se voilà. mette en rogne. Voilà. À part ça, le but de ce classement. Vu que ce classement rime à rien, c'est que forcément il était trafiqué quelque part, quoi. Bon. Visiblement, c'est pas tant le classement qui était trafiqué, mais le comportement des gens. Et du coup, en fait, j'ai vraiment rien compris. C'est ça qui m'a rendu. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je le relise, en fait, ce livre. C'est bon. Non, mais je te rassure, le classement est pas très clair, hein. C'est très frais dans ma tête et les classements n'ont pas forcément de sens. Effectivement, t'as Théo qui se barre. Ocello fait la même avec Zio, mais Ocello, il est pénalisé. Ouais. Enfin, il est pénalisé. Ouais. Alors, tu as Théo, effectivement, à la fin, ils travaillent un peu ensemble, Théo et Aurelio, sur le final. Mais, tu vois, je crois que même Nia, après cette épreuve, elle est. Je pense que elle finit assez haut. Elle finit Elle première, finit je crois. deuxième. Non, elle est deuxième. Je me suis noté les résultats des épreuves. Ah Elle ouais? est première à la fin de l'épreuve 2, donc qui est celle de la capture des Alébrichés. Alors, tu sais pas pourquoi ils finissent première après ce truc-là, parce qu'ils ont fait nimp. Bah ouais. Et l'épreuve 3, donc l'épreuve où ils jouent à chat, là, elle finit deuxième. C'est Aurelio qui est premier, et ensuite Neya deuxième. Et tu sais, mais Neya, elle a fait quoi? Mais en Neya, fait, elle elle lui s'était finit tapée pas dessus. deuxième. Le classement en général, elle est deuxième. Oui, elle est Parce que finalement, deuxième on au finit classement jamais général. par connaître les résultats individuels de chaque Ouais. épreuve, on les a Oui, pas c'est en vrai. fait. Donc, Donc elle baisse un peu, mais tu vois, elle se retrouve quand même deuxième du classement Oui. général, alors qu'elle a passé l'épreuve à se taper dessus avec sa partenaire. Oui. Enfin, c'était vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. Et par contre, Oristella, elle tombe à sixième, quoi. Non, cinquième. Non, Et bah. non, mais en fait, et c'est pour ça que je pensais que le classement en lui-même carrément m'a été truqué parce que je comprenais rien non plus au Ouais, score. bah moi je Et pense franchement, aussi que le classement m'est truqué. je comprends que Ocello soit vénère, quoi. Ouais, Parce c'est que clair. non, Les gens font nimp. mais oh, faut pas s'énerver. Mais en fait, il y a comprend rien au classement, mais y a rien. Mais c'est normal de rien comprendre au classement. Il a aucun sens, quoi. Mais. Vas-y, je te soutiens. Ouais, du Voilà. coup. Cool, j'ai bien aimé les épreuves. Voilà, T'as bien aimé les voilà. épreuves. C'était la conclusion. Voilà, parce que c'était très rigolo et il y avait pas mal de trucs assez variés. Et en effet, ils faisaient n'importe quoi tous. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Sont bien Et moi, graphiques ça en m'a plus. stressé un peu. Ah ouais? Oui, ça m'a stressé. Bah, les moments où ils ont les yeux noirs là et où ils se mettent à être ultra violents, moi, je trouvais qu'ils étaient violents quand même. Tu vois, quand ils se tapent dessus là, qu'ils envoient des éclairs, qu'ils se saignent avec leurs ronces, leurs trucs. Moi, j'étais genre, oh, mais non, mais vous êtes copains quand même. Vous tapez pas trop dessus. Et là où par contre, c'est un peu bizarre, c'est que après coup. Ils en discutent pas trop quand même, tu vois. Ils se disent vaguement, ah, désolé, j'ai un peu exagéré. Mais Ouais, genre, elle est ils pas parlent comme pas ça du fait que. d'habitude, hein. Ouais, et ils parlent pas du fait qu'ils ont quand même l'air de perdre le contrôle et de se rendre compte qu'ils ont perdu le contrôle.
mais ils débriefent pas trop du fait qu'ils perdent le contrôle et que. Enfin, après, peut-être qu'ils mettent tout sur le stress, la pression, la fatigue et le machin, et du coup, ils se rendent pas vraiment compte que c'est un peu plus que ça, mais. Ouais, t'as peut-être un sentiment de honte aussi qui pousse à pas en parler. Ouais, genre, ah, j'ai perdu contrôle, j'ai fait nimp. Ouais. Tu les sens un peu abattus sur le banc aussi, mais. Ouais, oh, ils étaient tout mignons. Et tu les sens plus traumatisés dans la dernière épreuve, où tu sens quand même qu'il y a eu, ils ont dû être marqués par les épreuves et les pétages de câble de certains. Parce qu'à un moment donné, t'as Daisy, tu sais, qui a halluciné et qui a dû, je pense, voir Théo faire des trucs. Parce qu'il est paniqué par Théo, il met Marino derrière lui en mode je vais te protéger. T'as vraiment la panique dans son regard. Mais ça, c'est Je que pense bon. qu'ils ont eu des visions un peu vénères aussi, ouais, Ouais. pendant la dernière épreuve. Ouais. Et pour le coup, elle m'a un peu déçue la dernière épreuve. Je m'attendais à plus de violence. Oh. Bah, ils ont des visions, cool, mais en fait finalement ils arrivent tous au bout. Donc enfin c'est juste parce que le pont il crame à la fin que Oui. ils n'arrivent pas, mais ils sont tous au bout et ils y arrivent finalement assez vite. Enfin, ils ont une vision et puis finalement ils passent tous quoi. Donc T'en as qui passent pas, t'en as qu'on J'ai pas plus. réussi l'épreuve. T'en as plusieurs qui arrivent T'en as pas, je plusieurs crois. qui arrivent Ah pas. ouais, bon bah j'ai vraiment oublié alors. C'était pas. Désolée, finalement c'était une très bonne épreuve. Non, moi je l'ai pas compris cette épreuve. Mais ouais, non, t'en as plusieurs qui arrivent pas. D'ailleurs, je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Je crois que c'est Daisy ou Marino, l'un des deux. T'avais l'impression qu'ils étaient bien partis et qu'ils arrivaient ensemble, et t'en as un des deux qui est pas Oui, arrivé. Tu dis c'est ça. T'en pourquoi? as qu'un des deux qui arrive et pas l'autre alors Qu'est-ce qu'ils qui s'est étaient passé? ensemble. Tu dis Tu l'as quoi? poussé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a quand même des trucs bizarres. Et pareil, tu vois, t'as l'impression, même rien que quand ils vont à cette épreuve, t'as l'impression que Luna et tout le monde, ils sont en mode ah, on va à cet endroit, mais personne n'est très à l'aise avec le fait d'aller Oui. là. T'as envie de dire, bah, c'est vous qui avez décidé quand même qu'on allait là. Bah Enfin, oui. je sais pas, je comprends pas. On a eu l'impression que vous étiez mis d'accord sur qui faisait quelle épreuve et machin, et là, personne n'a l'air content d'aller là. T'es là, bah, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé encore? Enfin. ça fait un peu genre le nom d'Harry Potter qui sort de la coupe, enfin de la coupe de feu. Genre, Ouais. pourquoi il est là ce nom? Pourquoi il sort? Pourquoi tout d'un coup on va là? Bah, je sais pas, c'est vous qui avez décidé quand même. Vous l'avez Enfin. organisé. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a donné cette impression que c'était aussi tout manipulé depuis le départ, en fait. Il y avait déjà cette histoire de classement, cette histoire de machin, mais en plus, en disant voilà, avec Luna qui. Bon, comme si en fait c'était quelqu'un d'autre qui avait organisé cette dernière épreuve, Ouais. cet C'était endroit-là. bizarre. Et Mais. en même temps, complètement anticlimactique parce que bah ils vont là, tout le monde dit ah c'est trop bizarre, donc tu t'attends à ce qu'il se passe un truc Oui. ultra shady dans cette épreuve. Et en fait, bah pas tant que ça, genre ils ont un peu leur Voilà. vision, c'est un peu violent et machin, mais au final, bah ils arrivent tous au bout de l'épreuve ou pas, mais en fait personne meurt dans cette épreuve ou disparaît, ou enfin Personne ne globalement meurt il se tout court passe d'ailleurs. rien de Il y en a trop d'aigles, personne n'est mort. Non mais tu vois, il se passe rien de spécial au final dans cette épreuve, à part que c'est un endroit un peu oppressant et l'ancien lieu des obsidiennes et machin, mais ils reviennent tous à la capitale après, tu vois, ils sont même pas coincés dans cet endroit ou rien du tout, donc tu comprends même pas pourquoi c'était un tel enjeu d'aller là, enfin c'est un peu bizarre ça. Ouais, je suis d'accord, je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe un truc pendant cette épreuve. Que ça soit là que les obsidiennes débarquent et que ça Ouais. soit là qu'ils soient capturés et que machin et que je sais pas quoi, enfin qu'il se passe un truc là, mais en fait là il se passe rien de. Non, on est d'accord. Donc en fait, le tome 2, les attentes, c'est répondre aux différentes questions, quoi. Que je Ouais. pense qu'on n'aura pas. Et ne Mais. pas être trop cliché de l'aventure, quoi. Et moi j'aimerais bien qu'on aille voir des nouvelles villes et qu'on voit des nouveaux personnages. Que ça soit pas juste eux trois qui vont aller se taper avec les obsidiennes, quoi. Oui, j'ai pas envie de les suivre que eux tous les trois. Ouais. Si c'est Ok, moi juste je eux pense trois que qui ça vont sera dans la ça. forêt. Oh, mais toi, oiseau de mauvais augure. Mais enfin le bouquin Madame entier du point de vue Psst. de Théo, donc Oui, je moi vois je pas pense que ça comment on sera pourrait du le point de vue de lâcher. Théo encore. Mais en fait, il pourrait dire sur le deuxième tome, j'ai plusieurs points de vue. Non. Mais si on suit Théo, moi j'aimerais bien qu'on
qu'on fasse pas juste une expédition dans le Mordor, quoi. Ouais. Enfin... Je suis d'accord. Après, moi, je pense qu'ils vont aller libérer les autres et qu'après, il peut y avoir un peu. Ils seront pas juste tous les trois, ils seront de nouveau tous les 10, tu vois. Et ça peut être un peu plus fun si d'abord ils les libèrent et qu'ensuite il y a un peu l'aventure à 10 et plus juste l'aventure à 3 avec Nia la pauvre qui va tenir la chandelle. Va tenir la Ouais. chandelle, la pauvre. Ou qui va mettre les pieds dans la chandelle en fait. En Qui va fait, c'est être ça, là. parce que tous les deux, ils vont continuer à se regarder sans rien comprendre. Donc, Mais. Après, on a bien vu qu'elle Leur aimait pire bien rêve. rester là aussi. Hein. Oui. Elle a Je l'air de bien pense aimer que beaucoup de c'est. monde, hein. Oui. Je pense que c'est Nia en fait qui peut les faire se bouger tous les deux un peu, parce que là, sinon, demain, ils sont encore. Enfin, après-demain et encore après-demain. Donc, qu'ils ont quand même pas l'air. Sont pas très dégourdis. Voilà. Puis Non, effectivement, Théo, après. il a pas envie de l'être, quoi. Il a juste, comme dit Jonjon, il a Et juste après, envie d'être c'est pas fâché. grave, hein. Non. Tu peux avoir d'autres préoccupations dans la vie à 17 ans que de te trouver un copain, mais bon. Ah bon? Mais Théo, il a C'est pas trop pourtant le d'autres bon âge. préoccupations quand même, hein. Voilà. C'est quand même une grande préoccupation pour lui, Aurelio. Oui. Voilà, c'est ça, c'est qu'il est obsédé par ce mec, Ah mais. bah. Voilà. C'est le brin ténébreux, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, Voilà. tu peux rien faire, Comment ne hein. pas être obsédé par un brin ténébreux? Ah oui. Avec des bras musclés. Voilà. Et des vêtements qui montrent toute sa peau. Et un passé douloureux. Oh, le pauvre Ben Chou. Et sa oui. mère, hein, quand même. Le pauvre con. Affreuse. On a parlé des parents pas cool, elle est quand même vachement pas Ah, cool. l'ombré, horrible. C'était pas. Et Auristella, très... assez touchante dans sa relation à Aurelio. J'ai trouvé. Alors, ça n'enlève pas que elle est assez odieuse à côté, mais je trouve que ça lui apporte une profondeur quand même. Ce côté, bah en fait, moi j'adore mon frère, mais en fait mon frère il se fait victime par notre mère et du coup j'essaye de l'en protéger un peu quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que pour revenir sur du positif, c'est que les personnages sont quand même pas unidimensionnels quoi, ils ont quand même une un peu une profondeur derrière et une complexité plus que juste le cliché qu'ils représentent au départ quoi. Oui. C'est un peu moins travaillé chez certains, c'est tout, puisque Océlo, c'est juste que Yel aime beaucoup son petit bébé jaguar, quoi. Et là, tu fais oh, Oh, Yel est mignon, oh ça là c'était trop mignon ça en vrai. là, J'ai trouvé ça super mignon. oh. Mais oui. Ou Ça c'est quand même super adorable. si y a un autre passage où Yel est un peu moins insupportable, c'est quand il se fait changer les taches de jaguar sur sa tête en rose, en mode waouh, c'est un jade. Mais c'est badass hein, ce que Jade arrive à faire. Hein. Franchement, bien ouais, hein, tu ne veux pas nous rejoindre chez les Dorés? On pourrait utiliser des gens comme toi. Mais ouais. Il est incompris. Non, Yel aussi un peu Ouais. antipathique. Hein. Oui. Ouais, bah. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi non, je pense pas. Voilà, j'espère que le prochain tome sera bien. J'espère que ça sera bien. Et que ça sera traduit en français. Oui. L'avantage déjà, c'est que je pense qu'on a quand même tous envie de lire le prochain tome, c'est quand même plutôt positif. Oui. Et vraiment, c'est très sympa à lire comme lecture. C'est vraiment quelque chose de très bien. C'est passer un très bon moment de lecture. C'est déjà pas Effectivement, je suis en train de chercher sur internet, ça dit bien que c'est une duologie. mal. Ok. Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Ce que je me disais, quand est-ce que ça sort? Tout ça, tout ça. Il n'y a pas du tout de date sur son site, Yoda? Sur le site, attends, je vais regarder, mais Après, il a peut-être pas fini de l'écrire, hein. Il est sorti quand ce livre? 2022, l'année dernière? Alors, J'ai l'impression. The Seine-Bérard tome 1 a été publié en 2022. Oui, donc l'année dernière. Bah, 10 septembre 2022. Ah oui, fin d'année en plus. Donc, il a Ça a été été traduit traduit partout, du assez coup. vite, hein? Ouais.
Moins d'un an, il est déjà traduit. Ouais. Oui. Et sur son site en lui-même, je vois rien. Le truc en plein milieu là. Ça sert à quoi ça? Ça, non. Ça. Non. Non, j'ai pas Non, j'ai pas l'impression, moi. l'impression. Hein. Non, bah ça doit pas être annoncé encore. Non. Je ne vois rien. Non, effectivement, même quand on clique sur la couverture du. Non, il n'y a pas. Bon, bah on verra bien. Hein. On verra bien. Ah, je suis sur le site. C'est vraiment canon. C'est vraiment très très canon ce qui s'y passe. Je sais pas si je peux faire un truc dégueulasse pour vous le montrer en essayant de remplacer. C'est quoi les cartes? Les cartes, ouais, les différents personnages. Je vais essayer juste. Mais Aurélio, Alors attends, Aurélio, je vais essayer de faire Aurélio. un truc. Je sais pas si ça va marcher. On va voir. La sueur qui est quand même Oh, Aurélio, classe. il est pas Voilà, si ça. beau, il est un peu Non, ça ne décevant. marche pas. Je voulais essayer de Hein. remplacer une de Qu'est-ce que vos tu penses de fenêtres Malaspe par. du coup? Ça marche pas. Il fait quand même brun ténébreux aussi. Ah bah Malasuerte, bah Voilà. Ulrich Strass, mais Par contre, ce que je peux faire, c'est le mettre dans le chat pour que ceux qui sont en ligne puissent aller voir. Voilà. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des différentes cartes. J'aime beaucoup Théo, Théo et Quetzal. Quetzal, elle est canon. oui, n'est-ce pas? J'aime beaucoup moi Sushi. Oh, Lumbré, elle fait vraiment antipathique. Aurelio, c'est vraiment effectivement le brin ténébreux. Xio, je le voyais plus ratatiné que ça. Ouais, moi aussi. Bah, Xio là, il fait franchement, il fait futur beau gosse, hein. Ouais, et C'est Malasuerte. lui le brin Mais ténébreux en là vrai, dans moi, je l'histoire. pense Hein. que même dans le livre, il est pas moche. Non, pas Non, tant mais moche, mais chétif. bon, il a 13 ans, d'accord, donc voilà, c'est Ouais, pas sans moins vouloir, confiance mais. en lui, quoi. Je le voyais Ouais. chétif et Malasuerte, je sais pas pourquoi, je le voyais très grand, très. Un peu Plus vieux? de. Ouais, plus vieux, les doigts très longs, très fins, je sais pas, j'imaginais un peu en mode dieu de la mort, même si c'est pas un peu la faucheuse. En dessous, c'est des jolies tenues. Hachi aussi, c'est joli. Hatsi, c'est très joli, Hachi. ouais. Puis bon, ouais, la robe de Xuxi est très belle. Oui. Non, ce site est vraiment très très chouette. Les cartes sont vraiment magnifiques. Je les veux. Faites-en des goodies, s'il vous plaît. Et alors, je pense. Alors, celle-là, je sais pas, mais qu'ils vendent les cartes des personnages de Celebrity Boys. Ah. Ah, il y en avait aussi. Ouais, parce qu'il y a un shop aussi là sur son site internet. On est en train de découvrir le site internet en même Oui. temps. Ils vendent Super. des stickers, des trucs comme ça, vraiment, c'est. On fait sa pub. Et j'en profite, Schrodi Ah nous dit si, bah si. qu'apparemment ce serait 2024 peut-être pour le tome 2 sur Goodreads. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Les cartes sont à vendre. Oh. $10 le pack de 10, voilà, si vous voulez tout savoir. Et C'était alors, un peu est-ce que t'as vraiment les 10 ou est-ce que ça fait comme les cartes à collectionner? Ce serait très drôle, t'en as un peu au pif, tu verras bien ce sur quoi tu tombes, on se les échange. Complète 7 of 10, 3 sur 5, caractère cards. Mon anglais est fabuleux. Hein. Ouais, bah, si, les 10 compétiteurs sont inclus dans ce pack. Voilà. Hop. Voilà. Si vous ne voulez que 5 cartes, c'est $6 par contre. Mais est-ce que Parce tu peux que choisir qui monter tu as à 10, quoi. dedans ou c'est Non, parce que par contre, sur les si tu n'en prends que 5, c'est un random pack of 5. Oh. Alors que si tu prends les 10, voilà, c'est les 10. Les 10 candidats. Mais je pense qu'il devrait. Non, enfin, après, ça peut pas surtout intéresser, mais faire les cartes des anciens participants, les trucs comme Mmh, ça. ça Ah oui. marcherait bien. Tout est un jeu de. Bah, le classeur de notre petit nerd, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, j'avais pas vu celle-là de cartes, mais au début, j'étais partie sur les cartes de
Cemetery Voilà, Boy. Cemetery Boys. Cemetery Boys, voilà. Qui pour le coup sont à 13 $ les 5, allez savoir pourquoi. Très bien. Très bien, Tim. Ah. Bah cool. Donc voilà, les cartes sont à vendre. Vous êtes intéressés. C'était l'instant pub pour patienter d'ici le tome 2. C'est ça. Et ben, moi j'ai trouvé ça très chouette de discuter de ça avec vous. Puis j'ai vraiment hâte c'était cool. De lire la suite. Et je pense que je vais replonger dans certains passages, notamment le comportement de Xio, pour essayer de comprendre et de voir s'il y a une logique. Ouais. Tu nous expliqueras. J'essaierai. Tu nous diras, parce que moi ça m'intéresse. Et en effet, moi, arrivé à la fin, il y a certains comportements que du coup j'ai pas compris. Donc son père, dont Luna, voilà. Et, ouais. Et cette histoire de classement que du coup, bon, visible, vous aviez pas, enfin, personne n'a compris pareil, puisque pour moi en fait tout était vraiment trafiqué depuis le début. Donc, On verra, trafiqué analyser, par qui. On verra. Et on va voir, ouais. C'est ça. Et eh ben c'était très cool. Merci en tout cas Oui, d'avoir été eh là. ben oui. On se Ben, merci à retrouve toi. a priori le 17 octobre pour le prochain MMA. Et puis d'ici là, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Ciao.